Non. On va à Jacobstown. Bonsoir, vous regardez Fallout New Vegas sur Twitch, présenté par Skikozor. Bonsoir à vous, tous, toutes, et ainsi de suite. Je suis à Jacobstown, ce qui m'inspire un chant natif américain, sans préciser de quel peuple je parle. Qui, c'est comme quand les gens ils vous disent « Oui, mais c'est un Africain !» Mais quel peuple tu parles ? Hein ? Hein ? Tu ne sais pas parce que... Et donc, ce chant qui dit « Hey, hey, très pratiqué d'ailleurs chez les chamans toltèques de l'Asie méridionale. Voilà. Donc, jeudi bonsoir, jeudi New Vegas, jeudi, nous sommes jeudi. Et nous allons rencontrer Jack, voir ce qu'il a à dire à Jacobstown. Oh, oh, oh. Bonsoir messieurs, messieurs, mesdames, mes monsieur, mesdames, super mutants et super mutants bien sûr. Bienvenue à Jacobstown. Bienvenue. Vous pouvez aller au bon ensemble, mais ne regardez pas les nocturnes. Ils n'aiment pas qu'on les observe. Et si vous êtes de la RNC, gardez-le pour vous. Elle n'est pas en odeur de sainteté ici. Ça voit comment elle est naze. Alors, non, alors elle n'est pas si naze que ça, mais c'est vrai que, in my memory, dans ma mémoire, Marcus, qui est un personnage, je vais en profiter pour faire le petit instant lore. Marcus, qui est un personnage qu'on rencontre dès Fallout 2, a une voix particulièrement sympa en VO, me semble-t-il. Tout est une question d'appréciation, bien sûr. Et là, je trouve qu'il a une voix assez classique. C'est pas une mauvaise voix, mais elle fait moins warrior, quoi. Ils ont voulu accentuer le côté civilisé du super mutant. D'accord, ok. Et pour la petite info, Marcus, mais peut-être qu'on va pouvoir en parler avec lui, donc apparaît dans le premier salut de Anaxu, qui apparaît dans le premier... dans le deuxième Fallout, pardon. Et qui est à l'époque... On va peut-être encore développer tout ça en discutant avec lui, mais on va voir. Mais qui était à l'époque un super mutant qui était devenu ami avec un paladin de la confrérie de l'acier. Alors on va peut-être essayer de refaire renaître une amitié entre les super mutants et les frères et sœurs de la confrérie de l'acier. On va essayer. Alors j'avais des questions au sujet de Jacobstown. Genre. Ouais, tu m'as dit genre. Ouais. Quel genre non-binaire ? C'était un lieu de vacances avant-guerre. J'ai choisi le nom de Jacobstown en l'honneur d'une vieille connaissance qui a rendu l'âme il y a longtemps. J'ai pensé que les mutants avaient besoin d'un endroit à eux. Comme la ville est éloignée des localités humaines, ils ne nous embêtent pas trop. J'espère qu'un de ces jours, on pourra commercer avec le reste des terres dévastées. Que les combats laisseront place à la coexistence. Peace. Jacob étant son pote, il va peut-être nous en parler un peu, on va voir, mais qui était paladin de la confrérie de l'acier. J'ai fait partie d'une armée de super mutants. J'ai géré une ville. J'ai parcouru le monde avec un des membres d'une tribu. Maintenant, je suis ici. Alors ça veut dire le membre de la tribu en question, c'est le protagoniste de Fallout 2, qui est le Chosen One, comme on dit. Hein. Alors on dit le, mais ça ne veut rien dire en anglais, c'est l'être élu. Qui est donc non-genré hein, à l'origine, et qui est le personnage principal de Fallout 2, qui est directement le descendant ou la descendante du protagoniste de Fallout 1, pour ceux qui suivent le lore, le seul lore qui compte, le lore de Fallout 1, Fallout 2 et Fallout New Vegas. Et éventuellement le vieux projet Van Buren, mais qui a été en partie pris par New Vegas, projet qui avait eu lieu en fait à la suite, enfin beaucoup de gens ont voulu continuer Fallout, hein, bien sûr, avant qu'on ait le fameux Fallout 3 de Bethesda. Et dans les projets de Fallout de suite, il y avait un projet Van Buren qui était fait par une grande partie des gens qui étaient dans les équipes de Fallout 1 et 2. C'est pour ça que c'était beaucoup plus une suite que Fallout 3, que certains d'entre vous connaissent, même beaucoup, qui est pour le coup une récupération de Bethesda de la licence, qui va exploiter avant tout le visuel
et certains éléments typiques et faire quelque chose, une machine Afrique de tout ça, parce que Bethesda est très très bonne dans cet exercice. À présent, on doit avouer quand même qu'ils ont un petit peu pourri le reste de la licence en termes scénaristiques. Mais j'y suis déjà allé, je n'y reviendrai pas. Une armée de super mutants. C'est une longue histoire. Alors voilà la version courte. Chaud. Le maître a créé les super mutants et les nocturnes. Le maître pensait pouvoir unir tout le monde. Plus de différences, plus de guerre. Ça s'est mal terminé. Comme l'Union Européenne, tu veux dire ? Ouais, du coup, oui. Alors, ça, c'est. Il a fait la version très courte, hein, donc je vais en profiter quand même pour lorer tout ça, hein, pour Lori. C'est. Du coup, le maître, en fait, était le principal antagoniste. Oui, c'est ça. Du premier Fallout. Et en fait, c'était un docteur, je ne me rappelle plus de son nom, honte sur moi et ma descendance, mais c'était un docteur Richard Grayson, ou je ne sais plus quoi, ou un truc comme ça, qui en fait était sorti assez tôt d'un abri, et qui, avec des collègues, faisait du commerce, etc., et est tombé dans une cuve. Cette cuve l'a muté, c'était une cuve de FEV, un virus créé à l'avant-guerre pour forcer l'évolution. Et qui s'appelle littéralement le Fourth Evolution Virus. Et donc ce docteur là, il était plus comme avant, hein. C'était viens voir le docteur et très peur, hein. Et donc ce monsieur a fusionné avec d'autres personnes qui sont rentrées ou qui sont tombées dans les cuves parce qu'il les a piégées. Enfin, c'est un peu glauque, quoi. Et ensuite ça a créé une entité, une blobesque si j'ose dire. Une entité avec des yeux qui partent en mode un petit peu genre... escargot, vous voyez, limace, ces trucs bien, bien dégueulasses là. Et du coup, le maître, c'est ce qui est né de toute cette fusion de chair et de Force Evolution Various. Et ce maître là, en fait, c'était donc un être assez brillant, puisqu'il avait plusieurs cerveaux littéralement. Hein. Et il était venu à la conclusion que l'humanité allait toujours aller dans des espèces d'autodestruction, de type ce qui avait mené à la situation actuelle, donc l'apocalypse nucléaire, tout ça. Et il s'était dit, en fait, il n'y a qu'un seul moyen, c'est d'unifier l'humanité sous une même bannière, la mienne, of course, hein, les gens fonctionnent comme ça en général, c'est tout le monde a tort, mais moi j'ai raison. Et donc tout le monde, hein, c'est le game apparemment, hein, il faut s'y faire, hein, apparemment en tout cas. Et donc du coup, il s'était dit ça, le maître, et il avait forcé l'évolution des gens, parce qu'en plus, il pensait que le virus qui forçait l'évolution, hein, le vaccin en fait d'AstraZeneca, il pensait que ce truc allait protéger les personnes, c'est-à-dire que ça allait les rendre plus fortes. Regardez notre ami Marcus, ça se trouve, Marcus, il faisait 60 kilos tout mouillé, il n'arrivait pas à pousser de la fonte... Et en fait, d'un coup, là, Marcus, maintenant, il te soulève des... Enfin, je veux dire, c'est la potion magique, son truc. Donc, il s'est dit, je vais donner de la potion magique à tout le monde. Je vais dire à tout le monde que c'est bien. Il avait fait une religion pour que les gens, ils aient pas forcément à avoir sa tronche bizarre. Hein. Hein, les principes habituels. Et du coup, il s'est dit, c'est bon, je vais unifier tout le monde sous ma religion. C'est très, très bien. Et en fait, le protagoniste du 1 se rend compte que ce gars-là, il est en train de juste de muter tout le monde de force. De les kidnapper, d'attaquer tout un tas de groupes autour qui pourraient se poser des questions. Et le protagoniste du 1, donc l'habitant de l'abri, va tuer le maître et détruire son projet. Et si vous avez été très 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 attentif et que vous avez bien visité, et que vous avez discuté avec tout le monde et que vous avez les bonnes informations, notamment un holodisque, dans le 1, vous apprenez et vous pouvez discuter avec le maître de ça, que ce virus, en plus de rendre la plupart des gens un peu bébêtes, parce que Marcus s'en tire bien, mais beaucoup de super mutants deviennent assez stupides, en fait, après la mutation, ça les rendait aussi stériles. Et que ça, c'était un problème, parce qu'on ne sait pas quelle est la mortalité d'un mutant, mais à un moment donné, il va mourir. Et donc, s'il est stérile, c'est peut-être un problème pour l'avenir de l'humanité quand on veut que tout le monde soit un mutant. Et donc c'était assez cool parce que le premier Fallout permettait d'avoir ce dialogue, et d'arriver à cette conclusion et d'ailleurs et du coup de régler le problème du maître d'une manière assez intéressante. Je ne développerai pas plus, j'ai déjà tout balancé, donc à partir de là, si vous voulez jouer à Fallout 1, c'est mort, vous savez tout. Mais jouez quand même à ce jeu, il est extraordinaire. Alors, vous avez été maire ? Son frère ? La ville s'appelait Broken Hills. Je m'en rappelle. Des super mutants, des humains et des ghouls y vivaient paisiblement. Enfin... la plupart du temps. Et puis après, ils ont fait une loi sur le voile islamique. Et là où il n'y en avait quasiment plus, d'un coup, il y en a eu plein.
Dites-moi plus sur ce membre de tribu. On cherchait un Jek pour sauver le village d'Arroyo. On a réussi, mais on a atomisé un puits de pétrole au passage. Après, on s'est séparés. Je suis parti vers l'est, dans les Rocheuses, à la recherche d'autres mutants. Ensuite, j'ai plus eu de nouvelles. Mais j'ai l'impression que tout s'est bien terminé. Bah, si vous avez fini le 2, vous savez que oui, puisque... Puisque cette fameuse petite République de Nouvelle-Californie qui a commencé à apparaître et à s'étendre dans le 2, eh bien, il s'avère que l'habitant de l'abri, enfin le descendant de l'habitant de l'abri, donc l'être élu, le protagoniste ou la protagoniste du 2, a réussi à libérer son peuple et à créer une grande ville avec Arroyo, de faire de Arroyo une grande ville qui est probablement la seconde capitale de la RNC avec le sable ombragé. Donc bien sûr, ça a cartonné. Ils ont plutôt réussi leur coup. Enfin, l'ancien pote de Marcus et ses autres potes, parce que je rappelle que dans Fallout 2, vous pouvez engager des collègues et travailler en groupe. En groupe plus important que dans celui-là, puisque vous pouvez avoir 3, 4 personnes, je ne sais plus, mais vous pouvez avoir plus qu'un seul collègue. Très bien. Ça t'ennuie pas de me voir parler tout seul aux auditeurs, Marcus? Tu es quelqu'un de très très patient, Marcus. Pourquoi certains de ces mutants n'aiment pas la RNC? Ça fait bien longtemps que les relations sont mauvaises entre super-mutants et humains. Certains ici en portent encore les cicatrices. La RNC ne me pose pas réellement de problème. Elle vise parfois trop haut, mais fait des efforts. La Légion, c'est une autre affaire. Ah, c'est intéressant d'entendre Marcus, parce que là, on a quand même un gars qui a pas mal d'expérience, puisque... Techniquement, avec un autre perso qui apparaît dans Fallout 3, mais c'est pas une mauvaise idée, mais ça faisait un peu chier. Harold, Marcus est l'autre personnage qui techniquement a fait la période récente et la période ancienne de Fallout, c'est-à-dire qui était dans le premier, le deuxième, et donc pour Harold, il est dans le 3, et pour Marcus, il est dans New Vegas. Donc c'est des gens qui ont vécu les événements des premiers Fallout quand même. Donc... On va dire qu'ils savent un petit peu comment les choses se passent dans le Westland au bout d'un certain temps. Qu'est-ce qui est une mauvaise nouvelle? Qu'est-ce qui est une bonne nouvelle? Qu'est-ce qui a un potentiel d'être dangereux? Ou qu'est-ce qui va finir dans quelques mois ou quelques années? Les mecs ont de l'expérience. César pense qu'il peut changer la nature humaine. La plus grande partie de la Légion suit César, pas ses idéaux. À sa mort, tout s'écroulera. Ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Il faudra peut-être des décennies. Mais ça arrivera. Toujours la nature humaine. Avidité, ambition, jalousie. Malheureusement, on n'a pas d'immortel en vrai. Donc on peut difficilement essayer de débattre avec un immortel de ce qu'il aurait vu sur plusieurs années comme tendance absolue. Nous, on a facilement en tête les tendances qui sont les plus marquées dans le négatif. Hein, parce que bon, notre esprit est ainsi fait. Mais bon... Là, il y a une prise de position. Effectivement, Marcus dit que ce qui constitue la nature humaine, c'est la jalousie et toutes ces choses. Mais on pourrait dire aussi que c'est l'inventivité, la créativité, le sens de la survie. Et ça serait beaucoup moins de nature à nous rendre dépressifs, on va dire. Hein. Donc, Marcus, tu choisis un petit peu les endroits où tu veux regarder aussi. Hein. Donc, hein. Méchant Marcus. Chut. Mais c'est vrai que c'est aussi des éléments de la nature humaine. Mais... Je me pose la question, bon là je peux pas parce que je suis tout seul, mais c'est vrai que je peux vous la poser à vous. Est-ce que la nature humaine, hein, vous pouvez le dire hein, éventuellement dans d'éventuels commentaires, qu'est-ce que c'est que la nature humaine finalement hein, parce que c'est assez facile hein, de déterminer des trois traits, de dire ça, c'est ce qui résume l'humanité, parce que je l'ai vu. Mais il y en a eu des milliards d'êtres humains qui font des milliards de choses à la seconde à chaque fois qu'on parle Et est-ce qu'on peut moyenner tout ça? Est-ce que cette moyenne aurait du sens, Marcus hein? Je te le demande, Marcus. Est-ce que c'est pas... Pourquoi la RNC est-elle trop ambitieuse? Déjà, on va rester au niveau très intéressant des questions de ce jeu. Hein. Elle s'étend rapidement. Si vos terres l'intéressent, elle s'en emparera. Elle l'a fait dans l'Ouest. Elle est en train de le faire ici. USA. Si elle continue à écraser les gens, elle va le regretter. C'est comme ça que débutent les révolutions. Indeed. Autre chose à me dire au sujet de la RNC? Je l'ai vu démarrer dans une simple ville, cette république. Globalement, elle a été plutôt utile. Sable ombragé. Shelly Sands. Vous avez des contacts avec New Vegas? Pas vraiment. On dit que c'est un paradis au cœur des terres dévastées. J'y suis jamais allé, et ça m'étonnerait qu'un autre mutant l'ait fait. Que des gens viennent de partout pour perdre tout ce qu'ils ont dans cette ville, ça me dépasse.
Amen to that, Marcus. Je comprends pas les jeux de hasard. À un moment donné, quand t'as autant de chances de te faire écraser par un A380 que de gagner un truc. Chaud. Et techniquement, t'as aucune chance de te faire écraser par un 380. Aucun n'est encore tombé. Et thanks God, comme diraient les autres, parce qu'il y a quand même du monde là-dedans. Hein. Parlons d'autre Très chose. bien. Hein, pourquoi tu me parles des catastrophes aériennes, Marcus? Tu tiens à me faire peur? Hein? Tu es comme le maître, tu veux insuffler la peur dans mon corps fragile de jeune femme. Qu'est-ce qui cloche chez les Les nocturnes? nocturnes souffrent de schizophrénie à cause des Stealth Boys. L'une des raisons À pour cause des lesquelles joints, ouais? Jacobstown, c'est pour les guérir. Quand Comme ils sont en parle. ville, les nocturnes n'ont pas le droit d'employer de Stealth Boys, pour que leur état ne s'aggrave pas. Le problème, c'est que les nocturnes n'aiment pas qu'on les voit. Ils préfèrent ne pas s'exposer. C'est des Kikomori en fait, les nocturnes. Ok, alors j'ai appuyé sur strictement rien, mais j'ai. Non, je veux pas ça. USA! 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 Biden! Biden Harris! Come, rescue us! We are in France! We need assistance! Mayday! Neil m'a parlé de cette ville. Et il n'est pas très strong. Beaucoup des mutants qui sont ici ont appris l'existence de Jacobstown grâce à Neil. Notre isolement joue parfois contre nous. Je sais même plus qui c'est, putain. La ville a des règles que je devrais connaître. Elles sont les mêmes que dans toute ville comme Rio civilisée. Seb. Ne cherchez pas la bagarre, ne volez rien, et tout se passera bien. La base. Ce n'est pas trop demandé. Non, c'est vraiment les bases. Parce que tout le monde devrait enregistrer ça. Fais pas trop le show, cherche pas Une la autre fois. bagarre. Hein, la bagarre, il y en a qui aiment bien la bagarre. Hey, bagarre, moi je veux bagarre et tout. C'est bon, inscris-toi dans un club de boxe. Ou pars dans une jungle pour affronter un tigre ou un gorille. Hein, des trucs qui, comme toi, aiment la bagarre et sont équipés pour en plus. Donc vas-y, n'hésite pas si tu es un petit peu agressif gratuitement avec les gens. Va dans la jungle, please. Rends-nous service. Alors. Super, Marcus pourrait nous trouver des miniguns ou des lance-missiles. Ou alors il voudrait que vous soyez pas aussi con qu'avant. Mais je vois que Marcus est très optimiste. Il pense qu'en 2022, vous allez voter correctement. Ah, Lily, comment ça va, Lily? Je vois qu'on pratique le jardinage. Jimmy? Oh, mon petit Jimmy, comme tu as grandi. C'est drôlement gentil de venir rendre visite à ta mamie. Ah bah oui, d'accord, oui, Jimmy, ouais. Je suis une fille, hein, Jimette. Mais Jimmy, bon, allez, vas-y si tu veux. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais à Jacobson, gentil mémé? Je surveille les grandes cornes. Ce sont de bonnes bêtes, mais parfois elles piquent une colère, comme mes petits-enfants. La même chose. À plus À tard. bientôt alors, trésor. See you. Bah, elle est sympa, Lily. On va boire le thé avec elle, un de ces quatre. Ah oui, ouais, effectivement, vous êtes le niveau au-dessus de la Brahmine quand même. Hein. Vous êtes sur des animaux. Oh, j'ai rien dit. Je suis parfaitement OK avec ce qu'elle est en train de faire, Lily. Je suis votre ami. Hein. Mangez votre neige. Continuez à vivre. Surtout. C'est important. Bah, c'est sympa où ils sont là. Un petit lodge dans les bois, un petit cottage avec un éclairage 19e siècle, très victorien, hein, même si c'était une infâme connasse, comme toute elle et son engeance. Hein. Tous ces gens qui ont du mal avec l'idée que quelqu'un puisse être un petit peu caramel. Parce qu'elle est là, l'information, bande de débiles. C'est pas qu'ils sont riches. C'est que tout le monde est riche dans l'affaire, mais dans ces riches-là, il y en a qui estiment que être un petit peu basané, c'est un problème. Voilà où il était l'information. Oh là là, les gens tout d'ailleurs, enfin les gens, une partie des gens qui sont jetés sur l'interprétation des médias du truc. Ah, c'est fou, Encore un être humain. Ce que Comme disait si Malcolm ça ne X, hein, suffisait si pas. vous laissez assez de temps aux médias, ils vous feront détester les victimes et aduler les bourreaux. C'est un peu ça. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Allez casser les oreilles à quelqu'un d'autre! Je veux rien avoir à faire avec vous! Je parle pas très fort, hein, pourtant. Un problème avec les humains?
Le problème chez les humains, c'est qu'ils dévisagent toujours tout le monde. Pas faux. Nous, les nocturnes, on n'aime pas être dévisagés. C'est embarrassant. Non, j'ai changé. Nous sommes différents, c'est tout. De base. Là, je fais de gros efforts pour rester courtois. Et vos questions incessantes me facilitent pas la tâche. Enfin! Oui, j'ai compris. Alors, je vais pas essayer de te chauffer. On va aller voir s'il y a du monde avec qui on peut piailler un peu. Alors, à l'origine, je voulais finir le jeu, peut-être dans cette session. Mais je me suis dit, voilà, on était devant Jacobstown. On va essayer quand même de faire de la mission encore. Surtout qu'il y a peut-être moyen de gagner du level. Et de s'équiper encore mieux. Oh là, je me rappelle plus, sérieux. C'est modé ou... Ils sont en hauteur. Ouais, c'est peut-être à l'étage, là. C'est que les quartiers. Quartier d'équipage. Alors. Ah, il y a un truc là aussi. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas... Ah, bah, il y a un autre humain, là. Vous voyez que vous êtes... Je suppose que c'est important. Vous interrompez mes recherches. Sur quoi travaillez-vous ? Les Nocturnes souffrent de différents niveaux d'instabilité mentale à cause de leur addiction aux Stealth Boys. Mmh. J'essaie de trouver un remède. En ce moment, j'étudie la population locale de Croc. En effet, ils semblent avoir développé un champ de furtivité naturelle. J'ai réussi à me procurer un prototype de Stealth Boy Mark II, mais l'expérience est plus risquée. Je ne suis pas encore prêt à la continuer. C'est mauvais pour les humains ? C'est possible, mais je n'ai encore aucune preuve formelle d'humain présentant des effets négatifs. Comme par hasard. Ces effets sont bien plus prononcés chez les Nocturnes. Allez, on est en Redemption. Je vais lui demander son truc sur les périphériques. Le champ de furtivité a été modulé pour consommer moins et durer plus longtemps. Mais il semble avoir des effets négatifs prononcés sur l'utilisateur. Mais ces effets prononcés vont me permettre de localiser précisément les parties du cerveau stimulées. Malheureusement, j'ai besoin d'un sujet de test vivant. Et Marcus m'a poussé à enquêter d'abord sur la mutation des crocs. Je ne suis pas convaincu que la mutation des crocs soit de cause naturelle. J'ai besoin de quelqu'un pour aller inspecter leur tanière. Certains super-mutants sont allés voir, mais... ils sont revenus les mains vides. Il faut peut-être un regard neuf sur cet endroit. Allez, on Lily pourrait avoir envie de venir avec vous. Les attaques de Croc lui ont coûté pas mal de grandes cornes. Et elle aimerait probablement se venger. Très bien. Alors, qu'est-ce qui vous fait penser que c'est pas naturel ? J'ai comparé les flux chimiques cérébraux d'un nocturne à ceux d'un Croc à peine tué. Ils montrent des modifications neurochimiques semblables. Bon, je ne prétends pas que les crocs se promènent avec des Stealth Boys dans le dos, hein. Je pense simplement que ce n'est pas une coïncidence. Alors, on va voir ça. S'il le faut. Oui. Tout le monde est très poli ici. Mais en même temps, je vous comprends, les gars. Franchement, quand on est occupé, quelqu'un vient de déranger... ça peut être un petit peu agaçant. Alors, je vais voir Lily. Comme ça, on va partir avec grand-mère. Grand-mère Lily. Dieu du ciel, mais Monsieur Penny a eu une bien vilaine fin. J'espère que tu te rends compte que le crime ne paie pas, chouchou. Mais comment tu sais ça, toi? Oh, Lily, tu as des pouvoirs psychiques, tu es médium. Tu as des pouvoirs médiumniques. J'étudie la mutation des crocs, ça vous dit de venir avec moi? Oh, ces saletés de crocs, tout le temps en train de tuer mes grandes cornes. Hein? Je serai contente de montrer ce que je pense d'eux. Impeccable. Donc maintenant j'ai Lily avec moi, donc on... ça veut dire super mutant plus humain de la conférence. Un cadeau pour toi. Bon. Et donc du coup là on est bien. Je pense que là on est sur quelque chose qui devrait être assez sympathique. Par contre j'ai pas d'arme à te filer, donc il va falloir que je t'équipe. T'as quoi toi de base? Une grosse épée, ouais ça va le faire, ça va le faire. En... tu viens avec moi? Ouais c'est bon. Donc il faut que je trouve ça. C'est
c'est ça, Grotte Charleston. Quête. Chercher l'origine de la mutation. Ouais, c'est ça. Alors, c'est là. C'est là derrière, en fait. Ouais. Mago. Follow me. Je vais me soigner aussi. Sinon, bien. Vous êtes heureux en général de d'être heureux. C'est important quand même d'être heureux. Surtout quand on a toutes les raisons de l'être. Vaut mieux faire attention. Lily a encore parlé de ses petits enfants. C'est pas gentil de parler de Lily comme ça, voyons. Surtout qu'elle est... Elle était à côté quand même. Elle était à côté quand même. Pas de respect, ça. Bon, on va couper des trucs, Lily. Parce qu'il y a trop de... Il y en a trop. Donc, faut couper. Hein. C'est automatique. Est-ce que... Non, c'est... Ah, merde, c'est une excellente barrière que vous avez fait. Donc, il faut que je passe ailleurs. Barrière. C'est pas mal, du coup. C'est vrai que quand t'es un super mutant, tu es assez costaud pour déloger des arbres et les installer en barrière. Bien pratique. C'est la grande fête, ouais. On est très bien. Comme je le lis dans le chat. On ne pouvait pas espérer mieux, dis donc. Mais attendez, c'est pas fini. C'est que le début. Et ça continue encore et encore. Dans ton trou du cul, d'accord, d'accord. Ça, c'est une reprise hein, bien connue des spécialistes de chansons. De fun radio, surtout, des années 90. Oh, oh. J'ai un problème, et votre aide me serait utile. Ok. Les mercenaires sont venus harceler la ville par le passé. Et viennent de réapparaître. D'accord. Comment sont-ils pris pour harceler la ville? Et qu'est-ce que tu espères d'abord? Vous êtes un être humain. Peut-être qu'ils accepteront de vous écouter. Peut-être. Je ne vous demande pas de les tuer. Persuadez-les simplement de partir. S'il le faut, proposez-leur de l'argent. Pourquoi tu ne veux pas les éliminer? Parce qu'après, ça va en attirer d'autres. Je pense que c'est quelque chose de ce genre-là. Comment s'en sont-ils pris pour assoler la ville? En tuant nos grandes cornes, en tirant sur le lodge, ce genre de choses. C'est des connards. Il devient difficile d'empêcher les gens d'exercer des représailles. c'est peu de le dire. Hein. Quand tu te fais arracher les yeux et les mains, t'as un peu envie de te venger. Je vais voir ce que je peux faire. Merci. Cimer. Alors, on va voir. Ils sont où, ces humains-là? Bon, je suis désolé, hein, j'en suis une humaine, mais j'avoue que j'aimerais m'excuser pour tout ce qu'ils font, mais je crois que ça me prendrait un peu trop de temps. Alors, mais on est un peu con comme espèce. Qui c'est ces gens? Moi, je suis bien équipé en plus. Vous êtes qui, vous? T'es qui, toi? Nous, on s'intéresse aux mutants, pas à vous. T'es qui? Qu'est-ce que vous voulez à cette ville? Je fais que mon boulot, harceler les mutants jusqu'à ce qu'ils partent ou attaquent. S'ils partent, on les laisse. S'ils attaquent, ben on les tue. En tout cas, le boulot ne sera terminé que quand il n'y en aura plus en ville. Et de quel... Pour le compte de qui vous faites ça? Des gens importants de la RNC en ont marre que les mutants attaquent leurs troupeaux de bramines. Ils veulent les virer du territoire de la RNC. Ah, je sais pas si ce groupe attaque ou pas les bramines. Je m'en fous. On nous paie pour les chasser, c'est tout. Les mercenaires. Vas-y, barre-toi, sinon je te coupe en deux, mec. Et je te vends bon, par petites pièces au marché. J'ai toujours su quand je devais me battre ou plier. Et je crois que je vais tranquillement partir. Très bien, très bien. Mes hommes et moi, on s'en va. Vous ne nous reverrez plus dans le secteur. Sage décision. Voilà. Et c'est vraiment parce que je voulais pas paraître pour une barbare devant mes collègues. Allez, dehors, Dior. Dior, dégage. De notre paix pour ce boulot. Il fait plus frais ici. J'adore ça. Les mutants sont pas si costauds que ça quand on a une bonne puissance de feu. Alors attends.
On a quelque chose en tête ? Bien. Je suis content que vous ne les ayez pas tués. Leur départ prouve que nous ne sommes pas des mutants assoiffés de sang. Si la RNC ou qui que ce soit cherche un prétexte pour attaquer Jacobstown, c'est pas nous qui allons le leur fournir. Si tu fais bien de me dire ça, parce que j'étais parti pour revenir en arrière et les couper en deux. Et c'est vrai, c'est vrai, et c'est vrai que voilà. Tu es un brave et un sage mutant, Marcus. C'est quoi cette histoire avec Keen ? Il est intelligent, charismatique, mais assez cruel. Il se moque des humains. Il préfère les combattre qu'avoir à leur parler. Mais il a beaucoup d'influence sur les Nocturnes. Quand il parle, ils écoutent. J'espérais qu'il attirerait d'autres Nocturnes à Jacobstown. Keen est plus sain d'esprit que la plupart. Mais je sais qu'il pense à repartir. Il est agressif, impatient. Il ne tient pas en place. Kids. Pourquoi il veut partir, du coup ? Parce qu'il est jeune, il veut découvrir le monde, tout ça ? À cause d'une promesse que j'ai pas pu tenir. Les Nocturnes sont tous schizophrènes, à cause des stealth boys qu'ils emploient, ou employés. Les Nocturnes n'aiment pas qu'on les voit. Ils ont du mal à le supporter. Certains sont déjà partis à la recherche de stealth boys. C'est un vrai dilemme. Soit ils restent ici et souffrent, soit ils trouvent des stealth boys et sombrent dans la folie. Vous parlez d'un choix. S'il part, c'est probable que d'autres Nocturnes le suivront. Tous, peut-être. Il deviendra difficile de leur trouver un remède. Pire, si Keen et les Nocturnes ravagent le Mojave à la recherche de Stealth Boy, ouais, les gens mourront. Et ils voudront se venger. La plupart auprès des humains mutants, mettent tous les mutants dans le même sac. Exactly. Ils risquent de venir ici pour se venger. Voilà. Ou comment, même quand tu estimes que quelqu'un fait n'importe quoi et est complètement débile, son destin est attaché au tien et tu ne peux rien y faire. J'aime bien ta situation, Marcus. Elle ne me rappelle absolument aucune autre situation. Vous êtes un mutant, vous aussi. Les Nocturnes ne vous écoutent pas. Autant essayer de faire s'entendre César et Kimball. Les Nocturnes se méfient d'à peu près tout le monde, mutants compris. Yep. Très bien. Bon, bah, je vais faire ce que je peux à faire, une autre déjà. Fois. Comme gagner un niveau, par exemple. Alors, fais voir. Oh, bon moment du jeu. Qu'est-ce que je fais ? Je vais me mettre là, parce que comme ça, c'est propre. Pareil, parce que sinon c'est sale. Pareil, là on est dans quelque chose de... Hein ? Alors, qu'est-ce que je fais comme point maintenant ? J'en ai 4, donc ça va être sale quoi qu'il arrive. Mais, qu'est-ce qui pourrait être B ? Médecine, tout ça... Il y avait quoi que... Des trucs de médecine j'avais besoin, mais je crois que j'ai plutôt plus ou moins provoqué la mort de tous les gens que je devais soigner, donc ça c'est... Ça, c'est quelque chose d'acquis, hein, d'accord. Je pourrais monter arme à feu, parce que mine de rien, je suis quand même qu'un mimi cracra avec des armes à feu. Alors, j'étais pas du tout parti là-dessus. Oh, décidément, je vais vomir. Non, j'étais pas du tout parti sur l'arme à feu, hein. Je suis parti sur quelque chose d'un petit peu foireux, de base. Hein. J'ai pas su me décider. Mais... J'ai tout ce qui compte, le troc et le discours, la base, ce qui fait qu'on peut être président de la République. Donc on va mettre arme à feu. On va monter arme à feu petit à petit quand même. J'étais quoi aussi ? Il y avait discrétion qui était bien. Parce que ça aide quand même aussi. Ah, c'est pas mal déjà, je vais monter ça. Ouais. Alors. Zing. J'ai vu des humains sur la route. C'était peut-être encore... Ok, tu vas essayer de moins faire travailler ton cerveau encore. Hein. Et après, tu me regardes ces news. Alors, est-ce qu'on va réussir à passer derrière ou est-ce qu'on s'est aventuré dans un endroit un petit peu aventuros ? Ah bah oui. En plus, oui, on est le 1er avril, hein, le moment où je diffuse pour la première fois cette vidéo, c'est le 1er avril. Donc là, j'annonce officiellement que je vais non, rien du tout. C'était ça la surprise. C'est drôle, hein, poisson d'avril. Ouais. Qu'est-ce qu'on a envie de rire, dis donc. Alors.
ça? C'est quoi là? C'est quoi? C'est... Il y a un loup là? Est-ce qu'il reste encore un loup dans cette forêt que je l'abatte? Si le préfet m'en donne l'ordre, je peux y aller alors. Hein, je peux détruire ce qui reste de biodiversité. Parce que nous, dans le coin, on n'aime pas trop les loups. Vu qu'ils volent... Ah, ça c'est une musique de l'ancien Fallout qui est très très bien. Mark Morgan, tout ça, tout ça. Je suis regardé. J'ai peur, Lily, j'ai peur. Alors. Ok. Ah, un petit cœur. Ça veut dire amour. Super. Oh. La grotte de Charleston. Ah ouais, toi tu peux comme ça. Je ferai attention à mieux me comporter si je vois que tu te fais discret. Oui. Lily, tu me fous les boules. Je veux la même chose que toi. Ça implique d'avoir une dégaine chelou, de renifler très très fort. Rien à cirer. Hop. Comme ça, tu peux vraiment faire nuit. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour. Allez, go. On arrête. Ça rigole et ça rigole. Oh là, mais les... Ouais, moi, j'ai pas besoin de petits crash. Je te casse en deux. Un croc. J'aime cette philosophie, Lily. On va les empêcher de s'asseoir pendant des mois entiers. Alors on les verra probablement qu'au dernier moment, vu qu'ils sont invisibles, ces petits... Ce sont les petits salauds. Voilà. Tiens. Yeah. Tu ne pourras plus t'asseoir pendant une semaine. Je crois que Lily, on va passer pas mal de chemin ensemble. J'espère que t'es un peu plus costaud, mais je pense, hein, physiquement, ça a l'air, que tous mes anciens partenaires, parce qu'il doit arriver des choses pas très très cool. Hein. Je ne t'explique pas les détails, je pense que ça ne te servira à rien. Voilà, mais je suis content que tu sois là, Lily, quelque part. Je suis quelqu'un qui parlait, une grand-mère à qui me confiait, putain, tous ces champignons, c'est dégueulasse. C'est une crotte en même temps. Hein. Ça me donne soit envie de manger, soit envie de gerber un champignon. Clique dans les commentaires. Clique dans les commentaires. La petite touche dans les commentaires qu'il y a sur ton ordinateur. Et sur ta souris. Ou sur ta manette. Ou peut-être sur ta table. Ou dans ton esprit. N'importe quoi. Qu'est-ce que c'est profond? Qu'est-ce que c'est moche ces trucs? Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est une chimère. Et rien à voir avec les chimelles. Hein. Rien à voir. Attention, ce n'est pas la même chose. Même si il y a le principe de ressembler à deux trucs différents que d'habitude ça ressemble pas. Hein? Est-ce que ça veut dire quelque chose que j'ai dit? Peut-être. Alors, en fait, un croc, c'est quoi? C'est pas un clébard? Est-ce que je peux arriver à saisir la tronche, s'il te plaît? Est-ce que je peux y arriver? Non, ok, j'y arriverai pas, donc. Non, non. On va essayer de montrer ça à tout le monde. Ah, mais... Tu m'as projeté, dis donc. C'est dingue, ça. Même pas trimballer les cadavres des autres, ça se fait emmerder. Bon. Ah bah allez. Non c'est bon, j'ai sa tête. Ah c'est bon, là je l'ai. Non mais pourquoi tu t'en vas? Voilà. Hop, hop. Donc là on dirait apparemment une forme, une tête de serpent. Ouais c'est ça. Ou de lézard. Avec un corps, on dirait de canidé. Et une queue de serpent aussi, hein, genre, c'est genre, comment ça s'appelle ces serpents là? Serpent à sonnette, mixé avec un chien. D'accord, on est sur quelque chose au niveau de l'évolution qui est un petit peu étrange quand même. J'ai presque plus de vie, dis donc.
ça va pas être bien ça. En fait, il va falloir que je fasse une grosse radia dans un chez un médic là parce que j'ai pris cher. Et j'ai pas beaucoup de trucs de soins en fait. Pourtant je me régène, mais qu'est-ce que c'est lent la régénération. Et j'ai pas beaucoup de vie de base aussi. Si j'avais une poule de vie un peu plus importante, la régène passerait. Alors, toi tu t'en fous, t'es une super mutante. Bien de la chance. Oh. What the hell? Ah bah si, on en a un là. Mais il fait pas le show. Grande corne, ok ouais, vous chopez des grandes cornes, en... ouais, typique comme les canidés quoi. Qu'est-ce que tu fais toi? Aïe aïe aïe. En fait, s'ils s'approchent pas de moi et qu'ils sont relativement mal modélisés, ben, j'ai rien à craindre. Et c'est quoi du coup cette histoire? Une fois que j'aurai tué tout le monde, ça sera réglé ou pas? On fait voir. Par un grand corne boulonné, y'a rien ici. Bouloté, c'est mieux. Cheval, donné, carte locale. C'est en dessous. Un truc digne d'intérêt. Ah bah là. Ah bah voilà. Ah bah là voilà. C'est vrai qu'à force de. Oh poussin. Yes. C'est à force de. Tiens. Je crois que c'est l'arme qu'il te faut. Mamie, un cadeau pour toi. Tiens, vas-y, prends ça, je vais te dire n'importe quoi. Ouais, du coup, avec ces saloperies de radar et tout, on finit par moins regarder autour de nous, en fait. Parce que je l'aurais quand même remarqué, quand même, monsieur Bichette. Bon, vous avez mâchouillé un stealth boy qui était entre les mains d'un nocturne. Et ben voilà, et ben voilà, et ben voilà. C'est malin. Pourtant, on vous le dit, hein, en primaire, ne mâchouillez pas tous les mutants, chiens, serpents à sonnette, on leur explique. Ne mâchouille pas les stealth boys qui sont entre les mains d'un nocturne. Mais non, hein, ça rentre jamais. Alors, est-ce que je vais réussir à rentrer, moi? Très certainement pas, apparemment. Bon. Ah, 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 ah. Yes! Number one. Numéro uno. Est-ce que vous avez des boîtes de conserve? Oh, super! Ah! Now we are talking. Hop. Hop. On vendra s'il faut. Oh, des radeaux, ouais! Ouais, des Radix! Ah, bah tiens, des Steam Packs. Oh! Oh, c'est gentil de ta part. Être une femme de nos jours, hein! Je dois mieux me comporter si je vois que tu te fais discret. Hop, ça c'est quoi? Des bananiers. Par contre, le truc tient bien, hein, parce que. Oh non, plein d'eau purifiée. Comment c'est bien ici? Mais avant-guerre, poste radio, ouais, fais voir. Oh, c'était quelqu'un qui s'était fait un joli petit setup. Fais voir, je vais écouter la le truc qu'on vient de récupérer là. Les rouges ont fini par frapper, comme je l'ai toujours dit. Eh ouais. À ma connaissance, Vegas est toujours là, mais ça devrait pas durer. J'ai pas eu de place dans un des abris, alors j'ai fait construire cet endroit. J'ai dû m'endetter, mais quelle importance maintenant, hein? Sartek. C'est devenu chacun pour soi. J'ai dû m'occuper du gamin Paulson qui connaissait cet endroit. Oh. Ces réserves sont pour moi et pour personne d'autre. Il y a une femme et sa fille dans une des chambres du lodge. J'irai peut-être leur rendre visite demain. Eh, un homme a des besoins, hein. Est-il besoin que je rajoute quelque chose? Quand on réfléchit à ce que Marcus nous a dit en arrivant ici, et quand on voit certaines choses actuelles, on se dit que finalement, ils sont peut-être naïfs, les gens qui espèrent le mieux de l'humanité. Hein, hein Lily? Mais on va quand même essayer, hein, sinon à quoi ça sert? À maintenir des connards en vie comme ça. Oui, ouais, ouais. Triste cet endroit, triste ce qui s'y est passé. Mais bon, ce gars-là n'a pas dû survivre très longtemps, vu les réserves qui restaient. Il a peut-être qu'il s'est frotté à des gens qui ont su se défendre. C'est tout ce qu'on souhaite. Parce que c'était quand même une fiefée raclure, hein, de ce qu'on vient d'entendre. Presque chier d'avoir une partie de la mémoire de ce déchet, quoi. Allons-y.
Continuons. Est-ce qu'on trouvera des suites de cette information dans le lodge? Je ne sais pas. Peut-être, peut-être. Peut-être pas. Je sais plus par où je suis passé. Passé par là, en tout cas. En plus, on a tué pas mal de crocs. Alors, en soi, on voulait pas forcément tuer des crocs, parce que peut-être qu'ils vont participer à l'écosystème de cette région et faire en sorte qu'il y ait encore plus de biodiversité, encore plus de choses bien. Je vais prendre le son de croc juste pour voir si ça peut pas avoir une application médicale ou un truc comme ça. Mais là, j'avoue que bon, quand un truc il t'attaque, à un moment donné, il faut aller lui péter sa tronche, quoi. Hein. Quand tu te fais attaquer, bien sûr. Hein. Quand tu te fais pas attaquer. Quand tu n'es pas l'agresseur, tu... Hein, d'accord. En plus, on arrive fin de soirée. On va arriver au village comme des héros. Comme des zéros, peut-être, plutôt. Je sauvegarde régulièrement de peur d'avoir des bugs. Alors là, je teste du streaming full HD, méga vitesse, plus. Et je constate que ça a l'air de fonctionner relativement stable, en mode stabilo. Donc si c'est stabilisé, c'est quand même stabil bien quand même. Hop. La musique est un petit peu quand même glaucose chez les chez nos collègues. Là. Alors que c'est un des rares endroits un petit peu naturel et sympa du coin, je trouve. Parce que New Vegas, quand même, très flashy, rococo, baroque, pot de badaboum, trop de lumière. Comme le Vegas actuel, d'ailleurs. Hein. Si encore du monde, mais je pense qu'il y a encore du monde. Hein, parce que, bon, le blocage, ça ne concerne pas tout le monde. Hein. Mais les autres paysages sont assez désolés. Hein. C'est pas qu'on veut s'excuser, mais c'est quand même la fin du monde. Donc là, Jacobstown, c'est un peu l'endroit un petit peu sympatache, un petit peu campagnard, campagnado. C'est bon, Lily me suit toujours. Franchement, Lily, faut que je commence le jardin, là, parce qu'on est quand même au printemps, là, qui commence à arriver. Et moi, je te vois, là, je me dis, tu me dois me creuser de ces sillons, toi, pas besoin de se faire chier. Tes deux pattes, tu les plonges dans le sol et ça y est, on peut planter après. Donc Lily, si tu voulais sortir de l'écran pour venir me prêter main forte, et tu ferais ça dès qu'on voit quelqu'un arriver, comme ça, pas de problème, ni vu ni connu, je t'embrouille. Bon allez, go, en attendant que ça arrive. Lily, ouais, c'est là-bas. Lalidadada. Ça, non, c'était fun. J'allais dire, ça, ça fait partie des petits trucs de merde que t'aimais juste parce que t'étais jeune. Mais c'est sympa. C'est sympa. Il faut savoir être. Hey! Où sont les autres? What the fuck? Où elles sont passées, les autres vaches là? Je les vois plus. Alors, elles sont invisibles. Elles sont rentrées la nuit dans l'enclos. Je sais pas. Sympa là l'effet de lumière là, ray tracing full HD 2021. Magnifique. Bonjour monsieur Henry. Je peux faire autre chose. J'ai trouvé un stand-by tout mâché dans l'antre des crocs. Il est encore alimenté, mais la coque est brisée. Je ne peux pas croire que les radiations furtives induisent des mutations si rapidement. Radiations furtives. Surtout. Ça explique pourquoi mes recherches sur ce groupe de crocs n'ont pas débouché sur un remède pour les nocturnes. Je n'ai plus qu'une dernière phase à effectuer. Je dois tester le Mark II sur Lily. C'est la seule façon. Pourquoi sur Lily? Pourquoi tu veux tester? Tu veux faire tes tests en grandeur nature, c'est ça? Sans passer par la phase 3, sans mettre sur le marché? Tu veux lui faire signer un accord comme quoi s'il lui arrive quelque chose... Tu ne seras absolument responsable de rien, c'est ce que tu veux faire, docteur Henry, hein? Est-ce que tu veux pratiquer les choses comme on les pratique au 21e siècle? Hein? En faisant croire à des gens que c'est d'une impériosité impérieuse de prendre quelque chose qui pourrait les tuer, alors que c'est pas si impérieux que ça? Est-ce que c'est ça que tu veux faire, docteur Henry, hein? Parce que c'est bon maintenant, on connaît, hein? Pourquoi Lily et pas un autre nocturne, d'ailleurs? Lily est excentrique, c'est vrai. Mais je ne l'ai jamais trouvée dangereuse. Et surtout, elle m'a proposé d'elle-même son aide.
Je lui ai clairement parlé des risques, mais elle insiste pour m'aider. Alors, ça, c'est le petit problème avec les gens qui sont de nature bienveillante et qui veulent se montrer utiles. C'est que du coup, on voudrait les voir rester, mais c'est ceux qui prennent des risques inconsidérés. Alors, comment on fait après s'il n'y a que des connards comme moi, des connasses comme moi, et même l'LP sur Terre, hein? Je vais devoir tous les tuer, c'est ça que tu me dis, Henri? Je vais devoir te tuer toi aussi s'il ne reste plus que les gens comme moi. On va voir. Quel risque présente cette expérimentation? Une dégradation mentale immédiate et permanente. Ce n'est pas pour rien que le Stealth Boy Mark II n'a jamais dépassé le stade du prototype. Lily souffre déjà d'une condition préexistante et l'expérience risque fort d'aggraver encore son état. Bon. Alors, la grande différence entre toi et les groupes de pharmaceutiques actuels, c'est que toi, tu le dis au moins. Donc, t'es peut-être un vrai médecin, t'es peut-être un mec honnête, Henri. Sinon, tu me dirais, oh, c'est très bien, continue. Donnez-le à tout le monde dans la population. Des tests ? Ah, ça, les tests, ça, on ne peut pas toujours savoir. Hein. Signez ce papier, comme quoi il n'y a aucune possibilité de me porter plainte. Voilà, les doses arriveront demain. Hein. Elles arriveront demain. Si c'est possible, je vais faire monter mes actions avant en l'annonçant dans les médias. Hein. Ça ne vous dérange pas ? Non, bon, c'est très bien. De quoi parle-t-on ? Du docteur Henri ? Je vais parler à Lily, alors. On va voir. Il faut que j'y réfléchisse. Quand même. Quand vous aurez fini de réfléchir, allez parler à Lily. Lily, je viens de la connaître. C'est une bonne grand-mère, gentille grand-mère, quand même. Moi, j'ai perdu trop de monde. J'ai perdu Véronica, j'ai perdu Ganon, j'ai perdu Cassidy, hein, Rose. J'en ai marre maintenant. Je veux dire, c'est bon. Calamity Jane, tiens. Calamity. Lily, attends. Lily, viens avec moi. Voilà, tiens, on sera bien. Sur les cartons dégueulasses, là. Non, j'aime pas les intérieurs, j'aime pas les intérieurs. Viens Lily, on va aller à l'extérieur. Pour avoir une conversation sérieuse, il faut aller à l'extérieur. Me parle pas toi, je t'aime pas. On va aller là où il y a tes vaches d'habitude. Voilà, hop. D'ailleurs, je sais pas où elles sont. Et ça a pas l'air d'inquiéter les gens, mais bon. Lily. Il faut que je te parle. Regarde pas en l'air comme ça, il n'y a rien à part le soleil. Et tu vas te cramer les yeux, même si t'as des... Ah non, toi t'as des... Moi aussi, j'en veux aussi, ça. Je veux pouvoir regarder le soleil. Ah ! Ah ! Bon. Parlons. Mon Dieu ! Ça, j'ai choisi le meilleur angle possible. C'est drôlement grand, le Lucky 38. Et plutôt chic. Alors, t'es complètement taré parce qu'on est encore chez toi, hein, Lily. Donc, soit, encore une fois, t'es une médium, hein, soit t'es une arquette. Hein. Tu travailles l'arc. Soit, non. Donc parlons, non, qu'est-ce que je dois te dire? Donc voilà, vous voulez toujours aider le docteur Henry pour ses expérimentations? Bien sûr, Trésor. Je sais que c'est dangereux, mais ça va tout arranger, tu verras. Je vais aller le voir. Je ne veux pas le faire attendre. Non! Léléna! Ah, où tu me pousses en plus et je vois à l'intérieur de toi, c'est un petit peu étrange. Je suis dans la quatrième dimension de l'espace. Je suis complètement taré. Lélé, non, en plus je t'ai donné un putain de marteau, trop bien. Tu vas me le perdre là, hein, tu vas l'utiliser sur nos gueules après, sauvegarde quand même. J'aurais peut-être dû sauvegarder avant. Est-ce que en sauvegardant là, je change quelque chose à mon existence? Non, hein, je pense que là on va devoir subir. Subilis. Alors, je vais couper le son parce que je vais couper le son. Mais on va suivre ce qui se passe. Vous avez vu cette tour toute illuminée sur le strip? On la voit des miles. Desmond Miles. Alors, je reviens sonoritalement, mais après la sonorité. Hein. L'équipement est branché. Tout est prêt. Nous pouvons commencer le test dès que vous me donnez le signal.
Oh, d'accord. Là, j'aide le docteur Henry avec son expérience, trésor. Reviens me voir un peu plus tard. Oh, j'avais entendu parler d'arriver en ville, mais je croyais qu'il s'agissait de super mutants. Ravi de vous rencontrer. Moi, c'est Calamity. Merci. Je change de nom et de métier tous les 10 ans environ, histoire de ne pas sombrer dans la routine. J'ai trouvé que Calamity sonnait bien. Je m'étais pas intéressé aux sciences jusqu'ici. Je suis assez doué, d'après ce que dit le docteur Henry. La plupart du temps, je suis l'assistante de recherche du docteur Henry. Nous cherchons le moyen de guérir la folie des nocturnes. Je me débrouille assez bien aussi avec les outils, et il m'arrive de descendre dans la vallée, vendre de la viande et des peaux de mouton. Très bien. C'est un plaisir de faire des affaires avec vous. Laissez-moi voir ça. Essentiellement des prospecteurs faisant de la récup. Ils s'enfuient toujours quand ils voient les mutants. Les grands cannes viennent par ici de temps à autre, mais ils restent à bonne distance. Je crois qu'ils gardent surtout l'œil sur nous. Au revoir. Bonjour. L'équipement est branché. Tout est prêt. Nous pouvons commencer le test dès que vous me donnez le signal. Très bien. Reculez, s'il vous plaît. Je ne veux pas de perturbations dans les résultats. Vous pouvez rester plus loin et regarder, si vous voulez. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur.
peur. Vas-y, pousse-toi, Calamity, là. Allumez le stealth boy, Lily. Oui. Je l'allume. Oh, je me sens bizarre. Bizarre, mais confortable. Intéressant. Essayez d'avoir des pensées. On parle pas des Balkany. Maintenant. Imaginez que vous écrasez un rat de scorpion. Lily, écrase. Alors, qu'indiquent ces résultats, Calamity? Hein, Calamity? Le champ de furtivité est instable et brouille les données. Les ondes gamma sont à zéro, mais c'est impossible. Les ondes gamma sont à zéro? Ça ne colle pas. Il doit y avoir un artefact. D'accord, ça suffit. Allez-y, éteignez le stealth boy, Lily. Oh, j'aimais bien. Je serai disponible dans un moment, quand j'aurai analysé les résultats. Bien, bien. Félicitations pour vos travaux sur le Mark II, docteur. What the... Maintenant, passez-le-moi, et nous partirons. What? Ma demande est parfaitement raisonnable. Donnez-nous les caractéristiques du Steel Boys, et nous n'aurons pas à repeindre les murs avec vos organes. Tu fais trop le show, mec. Tu fais trop le show. Mais je vais essayer de penser à ce que Marcus m'a dit. Pas le conflit avec le débile, mais plutôt la paix. Alors, ce que vous faites a des effets sur tous les mutants ici. Mais vous n'y avez jamais pensé, hein. Oui, bon, on va essayer. Hein. Dans les jeux, une phrase peut changer la donne. En vrai, c'est quand même plus compliqué. Hein. Non. Non. J'y avais jamais pensé avant. Zut. Très bien. Votre argument tient la route. Et je retire ma demande. Ah, non, ça, par contre. J'avais oublié. Hein. J'avais oublié. Mais on va en profiter pour... pour... sur tout le monde un peu. Hein. Ça, c'est le problème des jeux de rôle écrits par des geekos. Parce qu'un geekos, c'est quoi? Fondamentalement, hein, qu'est-ce que c'est qu'un geekos? Un geekos, c'est quelqu'un comme ce monsieur-là, Keen, qui a beaucoup de mal à parler avec les gens. Donc, vu qu'il a beaucoup de mal à parler avec les gens, bah, il regarde tout ce qui ne parle pas, comme les serrures, les ordinateurs, toutes ces choses qui réagissent en appuyant sur un bouton ou en déclenchant un mécanisme. Et du coup, ça donne des geeks. Et un geek, du coup, ne sait pas tellement bien interagir. Bonjour. Avec le reste de l'humanité. Et voilà. Non, vas-y, on va parler avec les nocturnes. Bien joué avec les nocturnes. Quand ils ont une idée en tête... Je n'ai jamais vu personne les convaincre de quoi que ce soit d'autre. Oui, parce que c'est impossible. J'ai pu récupérer beaucoup de données utiles de l'expérience. Je me rapproche de plus en plus de ce remède. Ce bref test risque de ne pas permettre de trouver rapidement un remède. En revanche, si Lily continuait à porter le prototype... Ah, je suis trop une quiche en science. Ah, moi je veux pas que Lily. Non. En plus, science 90, là il y avait moyen de. Donc, oui, bah tiens, j'en profite. Mais voilà. Donc, le problème, vu que là on est à nouveau devant ce dilemme, je veux pas expliquer tout ce que j'ai expliqué dans les anciens épisodes sur les dialogues, les compétences, etc., etc., le fait de le montrer ou pas. Là, je vais expliquer donc par rapport à ce qu'on vient de voir, tout le problème, et c'est assez intéressant. On réfléchit. Tout le problème des dialogues, un petit peu, qui débloquent une situation. Et qui passe par la phrase. La phrase avec la bonne couleur, qui est un peu comme une clé, comme un bouton en fait. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Vous appuyez sur le bon bouton et c'est bon en fait. Et vous allez avoir... Alors, ce que je préfère à ça, donc là, la manière dont j'ai réglé le problème avec l'autre, là, avec Keen, c'était ridicule. Le gars, je veux dire, il déteste les humains, il me connaît depuis même pas une journée. J'arrive dans son truc... voilà, il va pas m'écouter. Je lui dis, ah, mais vous savez que c'est pas bien pour tout le monde. Je veux dire, si on prend un dirigeant politique ou économique actuel et qu'on lui dit, mais vous savez que ce que vous faites, c'est pas bien pour l'environnement, la planète et tout, ils vont dire, ferme ta gueule, petite gamine de merde. De toute façon, t'es une autiste, ferme ta gueule. Et en plus, t'es. Voilà. Donc, vous voyez, on peut pas convaincre. On aimerait que
vous présentez des données aux gens qui viennent des spécialistes qui travaillent dans un domaine, et les gens ils font, ah bah je crois que les spécialistes qui parlent d'un domaine spécial où ils sont spécialistes sont probablement pertinents. Je vais essayer de me renseigner par moi-même et petit à petit, voilà, on se rend compte que non, ça marche pas comme ça en fait. Ce que je veux dire, ce qui marche, c'est de faire une vidéo avec McFly et Carlito. Voilà ce qui marche. C'est-à-dire que tout le monde aimerait se considérer comme intelligent ou à même de réfléchir tranquillement sur un problème, mais ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que les gens, ils fonctionnent aux émotions. Et donc voilà. Hein. Donc c'est vachement plus compliqué que sortir la bonne phrase au bon moment, convaincre quelqu'un. Si vous connaissez quelqu'un qui a, par exemple, une vision très particulière de certaines cultures, hein, on va parler, ou de certains sexes, ou de certaines orientations sexuelles, c'est pas en allant le voir pour la première fois de votre vie et en lui sortant la bonne phrase que d'un coup cette personne va dire, ah, je m'étais trompé, je considérais peut-être les choses sous un angle qui n'était pas le bon, merci, et puis on se serre la main, on partage le thé, et puis on se revoit dans 3 semaines. Non, c'est pas. On le sait que ça marche pas comme ça. Tout le monde le sait en fait. Vous avez parlé à un moment donné à votre grand-mère, à votre grand-père d'un truc qui sont pas à même de comprendre et vous avez vu comment ça marche. Ah oui, ah mais de mon temps, il n'y a pas moyen en fait. C'est juste, il n'y a pas moyen. Si quelqu'un n'est pas de bonne volonté, qui veut pas écouter et essayer de comprendre quelque chose, vous arriverez à rien en fait. Et c'est vrai, quel que soit son niveau d'intelligence, et c'est très important de rappeler ça. Parce que c'est pas parce que quelqu'un a la blinde de récompense, de diplôme, je sais quoi, qui tendrait à dire, ah, cette personne est intelligente, elle a des diplômes, nanana. Mais en fait, vous allez voir que sur certaines choses, ces personnes, voilà, par exemple, on va donner un exemple concret. Aujourd'hui, nous sommes gérés par des gens qui ont une bardée de diplômes. Voilà. Et ces gens sont ce qu'ils sont, avec l'efficacité qu'on peut constater chaque jour. Donc, non, on est des créatures qui réfléchissons plus avec nos émotions, nos habitudes, nos liens empathiques. C'est pour ça que apparaître dans la communication, dans l'univers de quelqu'un qui est influenceur et qui est bien aimé de plein de gens est plus efficace que d'essayer d'expliquer un programme politique. C'est beaucoup plus efficace finalement. Parce que si cette personne a l'air d'être amicale avec quelqu'un qui est votre ami, c'est que c'est quelqu'un d'amical. C'est quelque chose que vous allez faire assez spontanément. Si vous avez quelqu'un qui vous explique quelque chose qui est diamétralement opposé à vos croyances, mais qui est un des meilleurs amis ou une des meilleures amies d'une personne que vous aimez beaucoup, vous allez l'écouter. Mais si un inconnu, une inconnue vient vous expliquer exactement la même chose, quasiment avec les mêmes mots, si c'est un inconnu, une inconnue, vous n'écouterez pas. Et on le sait, messieurs, mesdames, nous vous connaissons, oui, derrière ton écran, oui, derrière tes écouteurs, on te connaît, on t'a pratiqué. Et on le sait parce que nous sommes un petit peu de la même espèce, donc ça nous arrive aussi. Mais c'est quand même quelque chose qui explique, in fine, que là, quand on est dans un dialogue où on appuie sur un bouton, on fait la bonne phrase et tout est débloqué, ça n'est pas comme ça que ça marche. Ce qui serait beaucoup plus intéressant, du coup, j'en viens, après avoir un peu craché et vomi, à l'aspect un peu plus solution, quelque chose d'un petit peu plus positif, une proposition quelque part, c'est vraiment là, il faudrait des dialogues peut-être où les choses se débloquent parce qu'on connaît les personnages depuis plusieurs itérations du jeu. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez des jours hein, qui passent, des heures qui passent. Et imaginons que vous ayez établi un dialogue avec un personnage. Et plus vous avez des dialogues fréquents avec, plus vous avez des karmas ou des comportements ou des alignements, hein, comme l'ont fait certains jeux similaires, et plus vous avez des chances peut-être de débloquer les bonnes lignes de dialogue, ça, plus les compétences éventuelles que vous pouvez avoir. Mais je pense qu'il devrait y avoir cet aspect un petit peu lien, qu'on trouve d'ailleurs dans des jeux comme Dragon Age Origin, avec la barre d'affinité que vous avez avec les personnages dans votre équipe, ou cette espèce de barre aussi qui n'apparaissait pas, mais qui était présente et qui déterminait les relations dans Baldur's Gate, qui faisait que vous aviez, ou dans Divinity Original Sin d'ailleurs, qui font que selon les dialogues que vous avez avec vos collègues,
vous allez en fait rajouter des points positifs ou négatifs ou neutres qui feront qu'à la fin, vous avez un collègue qui vous aime beaucoup et qui ouvre d'autres lignes de dialogue. Là, c'est intéressant. Là, par exemple, ce qui aurait pu être plus intéressant, c'est de faire une ligne de dialogue où j'aurais menacé le Keen avec des éléments peut-être de connaissance relatifs aux peurs des Nightkin, je ne sais plus comment ils s'appellent, c'est pas Nightkin en français, c'est un autre truc, les Nocturnes. Bref, j'aurais pu avoir une ligne de dialogue qui était en accord avec la logique. C'est-à-dire, je ne vais pas dire à un mec, « Oh, mais tu sais que tu es en train de faire beaucoup de mal à ton peuple, alors qu'il n'en a rien à foutre de ma gueule. » Il y a un moment donné, s'il m'avait donné une ligne de dialogue du genre « Je vais faire émerger les pires cauchemars que tu as dans l'esprit », ou un truc un peu chelou, bien hardcore par rapport au fait que c'est un nocturne, là, j'aurais dit OK. Éventuellement, ça peut être efficace. Mais là, ça, c'était une ligne de dialogue de geek qui n'a jamais interagi avec un humain dans sa vie, quoi. Enfin, voilà. Voilà. Est-ce que vous avez compris la réflexion ? Le risque pour Lily est trop important. Par contre, ça, mon pote, les tests en grandeur nature, ça, c'est AstraZeneca, hein. C'est pas les gens responsables. Je pense que Lily devrait continuer à porter le protège. Qu'est-ce que toi, tu veux faire déjà en tant que spécialiste? Je vais te faire confiance. Je suis sur le point de trouver le remède. Je le sens. Bien sûr. L'aide de Lily m'a fourni les dernières données dont j'avais besoin. Très bien. Donc ça, c'est le type typiquement, voilà, hein, il est dans une position relativement biaisée aussi. Hein, parce que certes, moi, j'ai de l'affection pour Lily, qui peut biaiser mon jugement. Mais ce monsieur, il a beau être docteur, il veut trouver la solution de son truc. Et peut-être que là, il se dit, ah, ça y est, encore, là, je suis au bout du tunnel, là. Encore une fillette à massacrer, et je trouverai le remède. Hein, pour tous ceux qui avaient un problème avec ce genre de scénario à la con. Ou bien sûr, ça ne se passe pas comme ça en vrai, il faut plein de sujets, etc. Enfin bon, formez-vous un petit peu en statistique, en médecine, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a Non, je veux pas. Cesser l'expérimentation. Très bien. Je démonterai le prototype pour éviter tout incident avec les Nocturnes. Alors. Tu te démerdes, mais... Tu arrêtes de faire du mal aux gens en testant des trucs. C'est bon. Et toi, comme toi, ta vie. Hein. Bon, je pense que c'est pas la meilleure solution, mais je suis une quiche en science. Et je crois que je l'avais fait en jouant sur la science la dernière fois. Enfin, la dernière fois. Léo n'apprécie pas beaucoup que tu aies laissé ce house en vie, trésor. Il pense que tu aurais dû le découper en rondelles. Léo, c'est un de tes collègues. Dans ta tête. Allez, vas-y, on va voyager ensemble. Ça serait adorable, trésor. Voilà, très bien. Maintenant, je me fous. Maintenant, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai un nouveau collègue. Je quitte Jacobstown. C'est bon, hein, maintenant. Je vais finir le jeu. Je vais essayer de finir le jeu. Ah oui, c'est vrai. Le tueur d'étoiles, c'est AstraZeneca, je crois. La traduction, on me dit. Et je crois que c'est ça. C'est quand même chelou, comme nom. Les mecs, ils ont un esprit un petit peu bizarrement tourné, quand même. Je trouve. Non ? Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose d'un petit peu étrange à se vouloir les tueurs d'étoiles? Alors c'est peut-être un conte dans une culture que j'ignore, ou un truc spécifique. Mais AstraZeneca, hein, pour essayer d'être un petit peu clair, AstraZeneca veut dire apparemment tueur d'étoiles. Donc bon, pourquoi tu t'appelles tueur d'étoiles alors que tu fais des produits pour soigner les gens en théorie? D'ailleurs, ça aussi, c'est par exemple, est-ce que c'est pertinent, hein, qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que c'est pertinent qu'une entreprise privée, dont l'objectif, on le rappelle, c'est quand même de gagner de l'argent. L'objectif d'une entreprise privée, c'est donc de faire un bénéfice. C'est, vous êtes quelqu'un, vous mettez de l'argent dans un truc et vous espérez en tirer plus d'argent. Est-ce que c'est donc pertinent que ce type de structure soit celle dont dépend la société pour soigner. Sachant que se soigner, et soigner des gens dans une société, c'est un processus qui n'est pas spécialement à volonté d'être rentable ou à faire des bénéfices. On veut tous pouvoir être soignés, et pour pouvoir tous être soignés, il faut que ça soit le moins cher possible, au contraire. Donc il faut avoir accès à des soins sans passer par un intermédiaire qui dirait « Alors moi, en plus du matériel, en plus de la formation des médecins, en plus de l'électricité, en plus de tout ça, eh ben, il faut aussi que je gagne des sous dessus, moi, privé. » Et donc, c'est
par définition plutôt un problème de se dire pour le coup tout simplement et pour la capacité à soigner, de se dire on est dans un système où on doit faire des gains monétaires. Et après vous, j'entends bien qu'il y a des gens qui répondront à tout ça, oui mais il faut une incitation financière, sinon personne ne voudrait être médecin. Et donc par là même, tout ce que quelqu'un nous dit quand il nous dit ça, c'est quand même que c'est normal, enfin non, que tous les médecins qui exercent à l'heure actuelle sont des gens qui sont médecins parce que ça rapporte de l'argent. Voilà ce que... Quand on nous dit qu'il faut une incitation financière, sans ça, il n'y aurait pas de médecine, il n'y aurait pas de vaccin, il n'y aurait pas de ceci, il n'y aurait pas de cela, on dit finalement à demi-mot que, en fait, tous les médecins sont des putes vénales qui n'exerceraient pas si elles ne gagnaient pas d'argent. Ce qui est faux. Attention, justement, là, je suis en train de dire, il y a tout un tas de gens qui sont allés en médecine, non pas parce que ça faisait bien de dire « Ah, je suis médecin », il y en a, hein, il y en a, bien sûr qu'il y en a, bien évidemment, il y en a. Mais il y en a tout un tas qui sont allés là parce qu'ils voulaient sauver des vies, parce qu'ils voulaient participer à quelque chose de positif dans la société, parce que c'est pas parce qu'on... Bien sûr, ils sont là aussi parce qu'ils sont payés, hein, attention, ils vont pas... Ils ont besoin de manger, mais il y en a beaucoup, ils seraient pas payés, ils le feraient quand même. Et présumer qu'on veut être médecin ou infirmier ou ambulancier, et tous ces équivalents féminins, bien sûr, hein, médecin, medicine woman, Dr. Queen... infirmière, ambulancière et compagnie, présumer que ces gens-là font ça parce qu'ils veulent être payés, présumer qu'un prof, enfin tout un tas d'activités, c'est parce qu'on est payé qu'on fait ça. Est-ce que vous avez envie d'être soigné par quelqu'un qui vous soigne parce que ça lui rapporte tant par mois, ou est-ce que vous voulez être soigné par quelqu'un qui estime que votre vie vaut, enfin n'a pas de prix? Je sais pas. On peut se poser cette question dans les commentaires, dans les machins. Qu'est-ce qui est bien? Avoir des gens qui vous soignent parce que pour eux, c'est une vocation de soigner les gens, ou avoir des gens qui sont là parce que ça leur permet d'avoir une troisième décapotable et une quatrième résidence secondaire. 4 fois 2 Marignan. Non, mais voilà, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Lily? Tu penses que les humains sont stupides, toi aussi? Oui, je pense, oui. Et je ne peux que te comprendre, Lily. Je ne peux que te comprendre. Donc voilà, enfin, je trouve ça étrange quand même de se dire spontanément, c'est une bonne idée de confier la santé publique, tout ce qui concerne tout le monde, à une bande de personnes qui, pas par méchanceté, par vilainie, par ce que vous voulez, simplement par mécanisme, ne sont pas enclins à autre chose qu'à gagner de l'argent. Et pas spécialement à soigner les gens. Si ça n'est pas rentable de soigner les gens, on ne les soigne pas. Hein, c'est pour ça que certains virus sont là depuis plus d'une trentaine, quarantaine d'années, cinquantaine d'années. Parce que ça rapporte beaucoup moins de les soigner que d'autres virus. Hein, d'accord? Ok. Sauvegardons. Donc, on va finir cette affaire là. Moi, c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous reste là? Il ne nous reste plus qu'à tuer tout le monde. Hein. Je crois que c'est... J'ai pas fait de massacre la dernière fois en plus. Je m'en fous ça. Retour à l'envoyeur. Je m'en fous. Allez. La fin là. Il est où? Where it is? Where is it? Non. Inauguration. Retrouver la source de la méditation de Sierra Madre. Non, c'est pas... On s'en fout ça. Canyon de prime, pétrer la ligne de partage. Non. Enquêter sur un drive demain et retourner voir Festu. Attendez, et la quête principale, elle y est pas? C'est quoi la quête? Attends. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Toi, t'étais pas là, donc tu peux pas me le dire. Qu'est-ce qu'il m'a dit, le petit robot là? Benny, oui. Bah j'ai tout fini, mais oui, qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors? Aller à la centrale d'El Dorado et installer la puce de neutralisation. Bon, on va faire ça. Hein. Je pense que ça, c'est la fin. C'est la phase finale des qualifications. Carte d'Aman. Station d'El Dorado. Allez, go. El Dorado Station. Here we are. Alors, c'est là-dedans là, que je rentrais?
Non. Bah, c'est somewhere around there. Around the rainbow. Si, c'est là que je dois rentrer. Et je dois rentrer en scred du coup. Oh, c'est gentil. Si vous tenez à la vie, vous feriez mieux de filer. Pourquoi? Parce que je dois pas rentrer ici. Ok. Un pourtant, je. Un des Rangers m'a jeté un simple regard. J'ai bien failli me rendre. Détends-toi, détends-toi. C'est ici que je dois aller, ouais. Et je dois filer. Attends. Toi, t'es bonne en furtivité. Ah, j'aurais dû y aller pendant qu'il dormait. Tu vois. Si vous tenez à la vie, vous feriez mieux de filer. Bon, vous sortez là, bande de gogol. Bon, on est dans l'exploitation des bugs de jeux vidéo. C'est bon? Tu me vois pas? Tu me vois pas? Hop. Non, c'est pas moi. Je ne suis pas là. Je ne suis pas l'homme terminal. Alimenter le transformateur. Allez, la centrale de rendre compte à Benny, oui, oui. Ah, ils vont pas être contents, la RNC, apparemment. Mais on s'en bat les cacahuètes. Les ovariums. Ovarium, Ovarloïs, Ovarlimus. Nous n'avons pas fait de la table depuis un certain temps. Allez, go. On va finir, là, on va finir. C'est bon, hein. Je referai un walkthrough tout propre, tout beau, je l'ai dit, de New Vegas, avec un autre perso, une autre historique, une autre quête interne, pour comprendre la réalité du monde et toute sa pertinence et son impertinence en même temps, dans une espèce de mélange de pur, un pur client. Ces lumières sont magnifiques. Oh, je détends quand même, hein. C'est bon, on est déjà assez fou comme ça, hein. D'accord. J'ai soif là. J'ai soif. Ah, j'ai tellement soif. Yeah. Ah, sur le compte du. Ouais, j'ai plus grand chose à voir. Enfin. Pentus. C'est un magazine de fesses, ça, non? C'était un magazine de fesses. Mais je sais pas si ça existe encore, les magazines de fesses. Étant donné que. Aaron Kimball, président de la RNC, est tombé, frappé par une ignoble attaque au barrage Hoover. C'est vrai? Excellent. Alors, dans d'autres games, je suis au courant de tout ça et je peux même intervenir. Ah, donc Aaron Kimball s'est fait assassiner. Alors, Aaron Kimball, c'est le président de la RNC et du coup, il vient de se faire assassiner. Hoover Dam, sérieux? Vous n'aimez pas quand le Lucky 38 est entièrement allumé? C'est un présage de l'avenir. Dommage pour le président Kimball et pour toute cette histoire, mais bon, ça arrive, hein. Extraordinaire nouvelle! La Légion amasse des troupes dans une zone à l'est du barrage! L'attaque est imminente! Monstre de l'Est, prépare-toi! Bon, bah là, je crois que c'est la fin, mes amis, hein. C'est la fin! C'est la fin pour MMLP qui a décidé, à un moment donné, au bout du chemin, de changer de voie. Et c'était sage. Et c'est le message de cette vidéo, de toute cette série, hein, qui sera peut-être un jour présentée sous d'autres auspices. C'est qu'il faut savoir changer d'une idéologie non. Absolument aucun sens, d'accord. C'était le sens profond de cette vidéo. Alors, je suis prêt à aller au barrage. Ça va chier des bulles. J'ai quelques petites choses à régler. Non, on s'en fout. Formidable. On s'en fout. J'ai passé quelques calculs après avoir étudié les estimations des rapports de force de Monsieur House. Et il se trouve que nous pouvons gagner cette bataille de deux façons. Vas-y. Vous entendez ça? Nous avons plusieurs options. Vous pourriez rediriger l'énergie de la centrale du barrage jusqu'au site de Fortification Hill. Ça redémarrera son réacteur, comme au Lucky 38. L'armée de Sécurité 3 en veille se réveillera et nous aurons les troupes nécessaires pour débarrasser le Morave de la Légion et de la RNC. Sinon, vous pouvez détruire les générateurs du barrage. Le site ne sera plus alors qu'un amas de béton. La RNC n'aura aucune raison de le défendre. Vous pouvez vous décider plus tard.
Pour l'instant, prenez ce module de répartition et installez-le sur le terminal de la salle d'alimentation. D'accord. Bonne chance. On se revoit au barrage. À plus sous le bus. Très drôle. Mais moi, je peux plus prendre le bus maintenant. Alors. Là, ils font comme dans... J'avais oublié qu'ils avaient fait exactement la même chose que dans... New Vegas Cyberpunk. Donc, c'est parti. Hein. C'est parti. C'est la phase finale des playoffs, là. Hop. Ok, donc je peux même pas revenir en arrière parce qu'il y a des bombes de partout. Alors, on est parti, on va s'amuser. Vous pouvez accéder à la salle de contrôle pour installer le jeton de contrôle manuel. Allez, on est parti. C'est la fin. C'est la fin des haricots. Il n'y a plus d'OP. 93 hardcore. C'est où que je dois aller? Là-bas. Wow. C'est la guerre, Lily, c'est la guerre. Ouh, des morceaux de cadavre, dis donc. Alors, de l'absinthe, parce que c'est jamais dégueulasse. Et puis, on va faire genre le soldat, t'as vu, Lily? Alors, tout ça sert probablement à rien, parce que ça va me servir à rien. Mais, hop. Allez, go. Ah, mais j'ai pas assez de balles. J'ai pas assez de balles, Lily. J'ai pas assez de balles. Oh, comment je suis qui sur le combat? Aidez-moi! Ah, j'ai plus de balles. Pas mal. Je vais tuer à Ranger par contre, désolé. Donne-moi ça. Hop. Carabine de tireur d'élite, très bien. Ah mais putain, j'ai pas de balles. Écrase-lui la gueule. Merde, ils l'ont tué. Oh putain, j'ai perdu tout le monde. C'est une fin apocalyptique que vous assistez là. Vous assistez à la mort de tout ce qui existe. J'ai plus de balles, j'en ai jamais assez en fait. Donc je vais prendre le driver de Nephi. Et je vais défoncer la gueule à tout ce qui reste. Maintenant, c'est fini la gentillesse. Est-ce qu'on a été gentil dans cette game? Je crois pas en fait. Désolé Lily. Oh putain, elle est trop bien cette arme. Oh mon dieu, Lily, tu es morte comme tous les autres. Est-ce que je peux l'utiliser? Yes. Non, il faut que je me soigne. Ça, c'est ce que j'aurais dû faire au début du jeu, me soigner. Mais je ne l'ai pas fait. Grave erreur. Allez, go. Qu'est-ce que c'est là? C'est là où je dois aller ou pas? Non. Voilà. Je suis quand même une merde, je suis vraiment pas une combattante. Allez, mais je vous écrase la gueule quand même. Alors. Une brochette d'écureuil, mais c'est génial. C'est exactement ce que je cherchais. C'est ce qui va débloquer la situation, dis donc. Voilà, on va essayer quand même de la jouer un minimum. C'est la mission finale et tu risques de mourir. Mettre les bzaises. Ah merde, j'ai plus de trucs de médecin. Ça va être chaud. J'ai fait la fifole quand même. Hein. C'est quand même la fin du jeu quand même. Faut rigoler, mais faut réfléchir un petit peu à ce qu'on fait aussi. Hein. Donc, hein. Non, ouais, je suis un peu trop près. Non, 28. Non, je suis pas doué.
Mais putain, qu'est-ce que je suis pas doué en réalité. Ils mettent quand le truc là, le bot. Ah bah ils s'en prennent plein les gueules, mais ils mettent pas assez. Oh yes. J'aime par contre les armes de ce type. J'aime. Comme j'aime. Eh viens le robot qui sert à rien. Fais-moi le malin maintenant hein. Il avait une super masse le petit salaud. Zut, j'ai la patte cassée en plus. Ça va être un vrai plaisir la suite des événements, je pense. Hop. Ah, il y en a d'autres là. Il y en a d'autres. Mange tes morts, comme il dirait dans le Nord. Ah, tiens. Ouh, ça picote ça. Ah, ton pote, ça l'a carrément. Ça l'a secoué, hein. Ah! Je vais me faire tuer, je vais me faire tuer! Ah, France Super Steampack, c'est pas marrant. Ou pas. Mais c'est que ça déconne pas, hein. C'est chaud là, je sais pas si vous avez des comptes, si vous me voyez transpirer comme la grosse goutte. Mais oh putain, il va me tuer le salaud. Putain, j'ai pris un super steampack là. Je vais me mettre invisible. Je vais me mettre peut-être un petit Medix si j'en ai. Est-ce que j'ai Medix? J'ai Medix. Bon, un petit peu d'eau purifiée, un petit peu de brochette d'écureuil. Ah, il me voit pas, putain, il me sartec. Sartekos. Ah, comment je suis une truffe. Comment je suis mauvaise. Ah, par contre, toi, tu me vois pas. Non, c'est pas vrai. Je suis pas derrière. Comme ça qu'il faut vous battre, les enfants. Vous vous battez jamais en frontal. Frontal égale mourir. Comme là, j'ai été beaucoup trop frontal. Je vais donc mourir, probablement. Mais c'est sans compter sur ma shot légendaire. La plus grosse shot. Ah, allez, j'ai des psychos aussi. Ça me permet de faire plus de douleur. Plus de douleur à l'ennemi. Plus de douleur. C'est normal, c'est l'hiver. Ah, j'ai pas encore de... Si, j'en ai encore. Comment tu me vois, là? On peut pas me voir, je suis caché. J'ai encore mon Steam, là. T'as combien de balles, encore? Que je peux. Ah, quand même, ouais. Tu te rends compte combien tu me coûtes en grenade, mon petit salaud. C'est un apocalypse là. La Securitron, c'est de la ferraille, ça. Hein. C'est du caca. Hein. J'ai payé pour ça, je me suis fait arnaquer, ouais. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et alors. Qu'est-ce qui parle mal, les gens, maintenant? Les jeunes, surtout. Les jeunes, ils parlent super mal. Alors que tu vois, avant, on disait des petits mots doux, négro, PD, tout ça, machin. Ça, c'était bien parlé, tu vois. D'ailleurs, là, en parlant de tout ça, j'ai vu une petite archive vidéo de Pyramide, hein, une émission qui sévissait dans les années 90 dans notre beau pays, ce pays de la tolérance et de la diversité. Et c'était beau en fait, hein. C'était beau en fait. Moi je regardais pas à l'époque hein, ce truc. Je sais pourquoi maintenant d'ailleurs, hein, bizarrement. Mais je conseille à toute personne d'aller voir. C'est particulièrement sympathique et édifiant en même temps. Hein. Edith Piafan,
bluffant aussi, peut-être sur un certain niveau. Mais ouais, c'est chaud, quoi. C'est... Oh là là, oh là là. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette culture? Qu'est-ce que c'est que cette culture? Mais on dirait vous, Pépite. C'est super drôle. Puis on voit qu'elle est, elle est super en train de rigoler, en plus, là. La femme, la coprésentatrice exploitée. On voit que ça la fait énormément rire. Mais eux, bon, bah, ça les fait rire. À partir de là, faut rigoler. Mais pourquoi vous rigolez pas? On peut plus rigoler, maintenant, dis donc. Super, ouais, super. Bah alors, il faut que j'aille dans cet immeuble, je pense. Ouais, ça a l'air d'être ça, hein, ça a l'air d'être le bise. Ça m'a l'air d'être ça, ouais, d'accord. Je dois descendre ici, ou je dois faire autre chose, d'accord, fais voir. Bureau de barrage de haut, c'est ça? Ascenseur vers bureau, ouais. Ça m'a l'air d'être ça. Ça m'a l'air d'être le cas. Alors attends. Je suis dans une position qui me permet d'utiliser ma furtivité. Contrairement à l'extérieur où c'est quand même relativement compliqué d'être furtif. Ici, je vais essayer de furtiviser les choses. Ah, ça fait des bonus de critique, ça. Ah, bah, le couteau de combat, fais voir. Fais voir, en poussant, il faisait quoi, lui? Il fait super mal, mais sinon, il fait que dalle. Bon, on va voir. Si je peux égorger 2-3 soldats de la RNC, hein, j'aurais pas perdu ma journée. Qu'est-ce que le monsieur il a dit là? C'est un jeu de guerre, hein. Il y a des morts partout. On va pas se faire emmerder parce qu'on dit des choses violentes maintenant. Hein. Je veux dire, si on pouvait dire ça à Pepita à l'époque, c'est bon, hein, c'est open bar. On peut dire ce qu'on veut en fait. Hein. Tout le monde est Charlie tout le temps. Vraiment, qu'est-ce que ça veut dire ça? Non, mais regardez ce truc, archives de pyramides, Pepita, regardez, c'est... Oh. Comme dirait l'autre. Mais vraiment, quoi, c'est... Oh là là. C'est juste fou, en fait. De penser comment ça passait crème, et comment, en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des mecs et des meufs, parce que, bon, il n'y a pas que les mecs sont intolérants et un peu lourds, qui, en fait, ne veulent que continuer à faire ces blagues de merde, en fait. Et que quand on leur dit non mais c'est ça ne me fait pas rire, c'est pas drôle, c'est même super offensant, eux leur réaction c'est ah mais vous voulez plus rire, on peut plus rire de rien, ouais, on peut pas rire de ça, enfin on n'a pas envie d'en rire en fait. Ah mais si on peut plus rien dire maintenant, c'est pas de truc qu'on peut pas dire. Hein, je vais pas tous les dire là parce que justement c'est un peu le problème. C'est qu'on peut pas les dire. Mais il y a des trucs. Je crois savoir que certains humoristes ont perdu un petit peu une partie de leur carrière parce qu'ils ont dit des trucs qu'il fallait pas dire. Mais voilà, mais ça posait pas de problème. Comme la censure officie sans arrêt dans plein de domaines. Moi, je viens d'une époque où les jeux vidéo étaient détestés par tout le monde. Hein. Maintenant, c'est le principal média. Donc, ils sont obligés de fermer leur gueule et d'ouvrir grand la bouche. Mais à une époque, le jeu vidéo. Tout le monde détestait, c'était censuré. Et il y avait un jeu qui s'appelait Soul Blade, qui est un peu l'ancêtre des Soul Calibur, qui existe toujours. Et qui avait une censure où un des personnages avait un nunchaku traditionnel en bois. Et la censure avait repeint ça en blanc pour que ça ne ressemble pas à une vraie arme. Mais du coup, le nunchaku, il était en béton, visuellement, au lieu d'être en bois. Puisque vous le peignez en blanc, et voilà ce que... Donc du coup, on voyait que la censure était idiote, mais même quand on avait 10 ans, même quand on avait 15 ans avant, pour ces petites annonces-là, pour ces petits trucs-là, contre-productifs. Puis surtout que quand c'est un jeu, un livre, une histoire, quand c'est faux, on est d'accord, quand c'est faux, c'est pour de faux. Donc on fait ce qu'on veut. Quand c'est vrai, par contre, effectivement, quand quelqu'un vous écrit un livre autobiographique où il fait l'apologie de quelque chose de totalement illégal qu'il aurait fait dans tel pays qui fait du tourisme sexuel sa principale manne financière. Bon, là, il y a de quoi frapper au niveau légal, on est d'accord. Donc ça, c'est autre chose. Mais autrement, je veux dire, quand c'est un dessin, quand c'est une histoire, quand c'est un jeu, on fait ce qu'on veut, en fait. Et si on fait pas ce qu'on veut dans un domaine, bah alors on va tout censurer. Donc du coup, il faut rien censurer. Enfin bon, bref. Ça pour dire que quand même la censure a de beaux jours de beaux jours devant elle, oui, puisque finalement tous les gens qui prétendent être contre elle finalement soutiennent
la censure qui les arrange à un moment donné. Hein. Ah, ça, ça, il faut pas toucher. Ça, oui. Alors, Charlie, ah non, il faut être Charlie. Ah, mais ça, ah, ça, non, ça, c'est pas Charlie. Ah, bah, ça. Les gars, faut choisir à un moment. La cohérence, ça revient, ça finit toujours par vous revenir à la gueule sous une forme ou sous une autre. La cohérence est son équivalent, hein, l'incohérence. C'est à un moment donné, voilà, tu peux pas dire tout et son contraire en espérant que tout que ça passe éternellement. Comme dirait l'autre, on peut tromper mille fois mille personnes, mais on peut pas mille personnes mille fois tromper. Ça c'est dans hein, d'accord, ou dans la cité de la, c'est pas cool. On va les laisser où ils sont, ceux-là. Je cherche une arme en particulier, en fait une armure assez sympathique qu'il y a dans le coin, mais je sais plus où elle est. Une armure de la confrérie de l'acier. Non, merde, j'ai perdu karma. Putain, mais c'est bon, je suis en train de voler. Personne ne me voit. C'est idiot. Non, ici, il y a quelque part, il y a un casier avec une armure chinoise furtive. Mais je sais plus où c'est. Ça fait une éternité que j'ai pas fait cette mission. Et donc, je ne trouve plus. Et donc là, je voyage un petit peu de manière totalement inutile dans les ruines du barrage de Hoover que vous pouvez voir, du coup, hein, le fameux barrage de Hoover. Ah, je vais encore perdre du karma, of course. Bon alors, vas-y, on va essayer de finir quand même. Donc on va aller sur le... Ok, donc ça c'est là-bas au fond. Ok, je sais plus où il était, ce putain de... Je sais plus où il était. Ce qui est marrant, c'est que la RNC, ils savent pas trop quoi faire contre moi. Ils m'ont envoyé des mecs au cul qui m'ont finalement pas attaqué. Là, j'ai tué des membres de leur équipe ou je sais pas quoi accidentellement. Mais apparemment, c'est pas trop grave. Je suis quand même avec eux. C'est pas grave. C'est pas grave. Les jeux sont en PLS cosmique. Mais on lui en demande beaucoup en même temps, bichette. Alors. Où est-ce que je dois aller là? Bureau du barrage. Ouais, c'est vers le bureau. Ok. Ok, je ne sais pas où ça m'amène, mais on va dire que c'est par là-bas. Donc. Est-ce qu'il faut que je monte? Bon, là, c'est tout droit. On entend les bruits d'électricité. Hein. Bruit caractéristique. Hop. Ouais, je crois que c'est par là. Donc, du coup, ouais, on va essayer de faire ça. Ok, dommage. Pas dans un de ces casiers, non, je crois pas. Je crois que c'était dans un casier, pas dans un bureau. Bonjour. Ça va? Je peux pas croire que le président Kimball ait été tué. Moi non plus. C'était un excellent chef pour la RNC. Total. Total fina d'ailleurs. J'aimerais acheter des marchandises. Malheureusement, je peux pas faire de troc avec vous. C'est contraire au règlement. Ah, c'est dommage. Allez, vous avez pas envie de faire quelques capsules? Je suis pas ici pour faire de l'argent, mais pour surveiller l'approvisionnement de la RNC au barrage. Ça veut dire rien pour vous. Méchant! Au revoir. Au revoir. Au revoir! Tu sais qu'on est en pleine bataille là, hein. Pourquoi je te dis ça? Tu fais ce que tu veux, mec. Donc, du coup, c'est par ici. You pense? Ouais, on va essayer de partir de là. Ensuite, on va pas. Ah, mais non, là, on est coincé là. Par où je vais aller? Power Plant 01, on s'en fout. C'est là où j'ai vu le mec. Ah, j'aurais bien aimé que tu me mettes une trousse de soins ou un truc comme ça, ça aurait été cool. On a pas un qui a ça sur lui là? Petit approvisionnement en soins, ça c'est les toilettes. Des fois dans les toilettes il y a des kits de soins. Non. Est-ce que je les avais fait? Ouais. Ah, c'est peut-être là du coup que je vais aller. Non, c'est pas là. C'est vrai, on va essayer de faire le tour par ici. On sent bien là tout le stress, là, tout l'enjeu qui est en train de se passer avec cette petite musique incroyablement. Ouais, allez, ils auraient pu quand même mettre une musique un peu plus punchy roll, non? Je sais pas. Ah, c'est ici que ça se passe, je crois. Arrêtez, personne n'a le droit d'entrer dans la salle de contrôle. Ouais, je crois, ouais. Vas-y, on va discuter. Vous n'avez rien à faire ici, vous feriez mieux de dégager. Poilonné. Le colonel Moore a des enfants. Je sais même pas qui c'est le colonel Moore, hein, donc ça veut dire que je peux utiliser la nomenclature de la RNC alors qu'on m'en a jamais parlé. Mais on va le faire. Hein. Le colonel Moore a des ennuis! Elle a besoin d'aide, vite! Bordel, en avant! Alors. Je crois que je m'entends en écho là, donc il y a quelqu'un qui a dû probablement mettre le son.
Ou alors je suis, je sais pas. J'ouvre la porte. Mais caution. Caution, c'est bon, je l'ai fait sauter la caution déjà, c'est mort. Donc, c'est où que je dois aller? Ça doit être sur le terminal. C'est là? Activé. Installer la puce de neutralisation. Bonjour! Hello! Quel plaisir de vous revoir! Alors, hashtag MeToo. On peut faire sauter les générateurs du barrage, ou sinon je peux dévier l'énergie du barrage vers le fort. Ça permettra d'activer l'armée de Sécuritron et de les lâcher sur le terrain pour massacrer la Légion. Qu'en dites-vous? Ah, j'ai entendu massacrer Légion. Fondamentalement. Tu me connais un petit peu maintenant, Benny Oui. Yes, man. Alors. Alimente le fort, baby. Ouais, ça va être super marrant. Je déverrouille la centrale Est. Appuyez sur l'interrupteur manuel, puis passez à l'étage supérieur pour vous occuper de la Légion et de la RNC. Alors, là je viens de décider de la fin de l'humanité, hein, de lancer la fin de Terminator. Mais bon, elle était déjà lancée avant, donc on finit le travail. On terrasse. Non. Oh, la tête de mon poteau. Merci, tu m'indiques du coup que je me suis trompé de porte. Non, pas là, na. C'est par là, il me dit ? Ouais, on va passer par là. Boiler room, c'est là où on peut écouter de la bonne musique, c'est ça ? Ok. Ok, bon, pas trop vu, donc ça c'est bon. Ah, ils m'ont... Ah là, on va les saigner. J'allais te payer pour ça. Putain, mais ça fait trop pas mal. Alors attends, je vais prendre un truc qui fait mal, parce que là, faut pas se foutre de la gueule du monde quand même. Hein, je... Ah, mais c'est ça bon, plaît. Les... Ça te plaît? Par contre, j'aime bien du marteau, c'est ça quand même, hein? Non, vous êtes pas d'accord avec moi? Pas un petit côté satisfaisant dans le marteau là, comme ça? La boucherie, ouais. De toute façon, est-ce que c'est important que je me serve mon matos alors que c'est la fin du jeu? Pas sûr, hein? Pas sûr que ça soit très important. Tiens, je prends ça. Steam pack, ça m'est utile. Pas un autre truc comme ça qui... Ah, toi là, hop. Non, on s'en fout. C'est la RNC, on s'en fout. Donc du coup, où dois-je aller maintenant? Il faut que je parte. C'est par là. Nope. Est-ce qu'il y a des trucs ici? Kaloutechkou? Non, on peut pas. Tant pis. On en est à combien là? On en est à... Je n'arrive pas à voir. Attends, je suis teubé. Suis-je complètement idiot? C'est marqué où? C'est plus marqué maintenant. Ah si, c'est bon. C'est moi juste qui suis complètement aveugle. Ah oui, c'est ça. Activez l'interrupteur. Yes. Vous entendez le jeu là qui arrive? Oh, ça a fusé. C'est les robots que j'ai réveillés, donc ça c'est très bien. Maintenant on va s'en aller d'ici. Ok, très bien. On a joué un petit peu, on a un petit peu sali les lieux, hein. On a fait les humains. C'était une nécessité. Tiens, je vais mettre la radio tellement. Hop. Personne n'aimait, comme par hasard. Quand c'est la guerre, tout de suite, ça arrête. Hein. Allons-y. Toi, t'as un torquicolis, moi, mon patin. Allons-y, ouais, si tu veux. Ouais. Je l'aurai au frigo. Non, on s'en fout. On s'en fout de ça.
Je peux sortir. Ah, c'est bon, c'était là. Ah ouais, bah c'est bon. Non, c'est ça. Si, c'est ça. Alors, normalement, là, j'ai les robots qui vont venir m'aider. Donc là, on est bien. Là. Hop, c'est bon, là. Ouais, on est bien. C'est bon, les gars. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Qui c'est qui me tire dessus? C'est le méchant, là. Hop. Je me mets derrière mes petits robots, parce que je suis pas un imbécile. Enfin, un petit peu, mais quand même. Une imbécile, ouais. Voilà, voilà, c'est ça le truc. Pourquoi se battre alors qu'on peut faire des machines? Ce genre de fight. Ça, c'est, ça, ça doit faire mal, ça. Tronçonneuse. Je vois qu'on a des bons goûts. Tu la transformes en poussière, le mec. Bien joué. Hop, je vais me servir un peu, hein, pour pouvoir travailler après derrière. S'il faut. Parce que là, pour l'instant, on va laisser les machines travailler, hein. Comme d'ailleurs c'est dans cet excellent Doom 3. Tu vois, c'était Doom 3. Où c'était vraiment plaisant d'avoir des petites machines qui t'aidaient, parce que tout ce qui était biologique et vif et qui se déplaçait, c'était une source de crainte. Et c'était vachement bien pensé, cette idée. Alors, je vais réparer tous ces trucs. M'équiper. Hop, et essayer de régler ça de manière... diplomatique après, hein, parce que ça va être compliqué. Je vais pas vous expliquer tout ce qui va se passer, mais il y a un fight extrêmement compliqué si je l'abordais comme un fight là avec le perso que j'ai. Donc je vais pas l'aborder comme un fight, je vais l'aborder comme comme une fragile, hein, parce que vis-à-vis de lui je suis une fragile de chez fragile. Allez, go, vous allez voir. Ah, j'avoue que là ça manque de fight, quoi. Il faudrait plus de bonhommes et tout. Avec des mods, probablement, ça pète plus. Encore qu'ils sont nombreux, c'est juste que mes robots, ils sont en train de nettoyer. Voilà. Allez-y, les gars. Allez, allez, allez. Voilà. Oh, oh. Mais c'est que ça se défend, dis donc. J'aime bien parce qu'il n'y a que de la ferraille dans le truc, alors que ça a un armement de ouf, tu sais. Ne tire pas dessus. Attention, attention. Je passe, là, faut arrêter. Voilà, merci. Voilà. Et voilà. On se sert encore. Hein. On se sert. On essaye de passer. Non. Hop. Hop. Tronçonneuse, je veux. Je veux encore. Voilà, ça commence à être chaud cacao. Tu veux voir? Ouais. Ça, j'en ai déjà pas mal qui sont fonctionnels. Et ça... Voilà, nickel, on est bien. Ça par exemple, c'est vraiment les trucs qu'il faut faire. Se spécialiser sur des armes puissantes au début et tout mitrailler à la fin. Mais je l'ai pas fait, comme j'ai dit. J'ai fait un perso spécialisé dans autre chose. Le bourrage de mou. Allons-y. Donc là, il nettoie jusqu'au portique là-bas. Et là-bas, on va arriver sur l'état-major en fait. The major état. C'est vraiment Terminator. Bon, ce qui est cool, c'est qu'il travaille pour nous. Hein. Moi et Yesman. Yesman et moi. Benny Oui Oui, comme il s'appelle. Ouais, c'est ça. Mais imaginons qu'il décide à un moment donné de se dire oh, bon, je fais un peu ce que je veux, parce que je suis une IA, je fais ce que je veux. Mais bon. Est-ce que c'est possible, ça, hein, les amis? Est-ce que c'est pas un doux rêve, l'intelligence artificielle? Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais bon, le gars qui présupposait l'arrivée d'une intelligence artificielle, c'était Alan Turing, qui était très très bon en informatique, puisque c'est un des inventeurs, on va dire, de l'informatique moderne. Et le gars, bon, il s'est un petit peu suicidé. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il était optimiste et qu'il s'y connaissait pas? Non, il s'y connaissait. Et il n'était pas optimiste. Mais toujours pas d'intelligence artificielle. Ah putain, laisse tomber, je suis trop une quiche avec ça. Non, non.
Ah. Ça, c'est marrant parce qu'il va bien à l'endroit où je tire, par contre. Ah, c'est laisse tomber. Oh putain, qu'est-ce que ça aurait été cool que je t'en fasse un là. Juste un. S'il te plaît, s'il te plaît. Oh yes! I love me. Tender, love me true. Yes! Bon, ça me suffira comme satisfaction. On va prendre ça et on va aller se friter comme à l'ancienne. J'y vais pour toi, Lily. Putain, j'ai encore perdu quelqu'un, je perds tout le monde. Je suis comme Guts dans Berserk. Tout le monde mourra autour de moi. C'est ma destinée. Ça s'appelle l'éclipse. Ah, d'ailleurs, cette lune, je la trouve un peu étrange. Ah, est-ce que je retente l'aventure Popstar avec sa tronche à lui? Est-ce que je lui fais popper sa tronche? Je l'ai mis où, mon fusil chelou? Là. Allez, on va essayer. Est-ce que je puisse pas me coucher comme dans Arma, là? Il faut, c'est la position A47WW577WXYZ. C'est la fameuse position de coucher à Arma, hein, bien sûr. Quand vous voulez coucher à Arma, c'est comme ça que vous faites. Ah non. Ça, vous y avez cru, hein, vous y avez cru. Bah, pas moi. C'est tellement aléatoire. Là, je bouge pas, hein, pour avoir... parce que les gens qui comprennent pas, en fait, c'est pas moi qui bouge. Hein. C'est... Je suis une quiche en tir avec les armes. Ah putain, je suis vraiment une quiche. Donc du coup, ça bouge. Non, patin. Ah, je t'ai coupé une patte là. Je t'ai défaincé une patte là. Fais voir avec ça, à bout portant, comment on rigole. Je vais essayer de te péter les pattes et on va rigoler. Attends, juste une là. On ne sait jamais. Oh là là, je suis trop... Juste péter les deux jambes. Oh là là, mais les gens sont pas coopératifs, hein, en 2021. On leur demande de se masquer, d'oublier leur vie, et ils sont là. Je vais continuer à avoir une vie sociale et tout. Zut, on te demande de rester chez toi. On te demande d'adopter le même mode de vie que Stephen Hawking sans le talent en physique et en mathématiques. C'est quand même ça. Bon, allez, vas-y, je vais massacrer des gens. Cela n'a que trop duré. Au purifié, dis donc. Au purifié. Allez, go. C'est parti. Je vais rencontrer César. Non, César n'est pas là en plus, hein, je vous le dis. Alors, soit à ce stade-là, César est soit mort d'une maladie que je ne dirai pas parce qu'on le verra peut-être dans le mystère de la prochaine game qu'on fera ici. Soit il n'est pas là parce que je ne sais plus. Il n'y a pas des embuscades ici? Je crois qu'il y a des embuscades. Il y en a qui aiment bien embuscader. Ah bah non, il n'y a plus d'embuscades, leader. Alors, sauvegarde parce que là, ça devient chaud cacao, hein, je crois. Lui, il est très chaud cacao. Non, mais je vais pas l'affronter. Parce que... Est-ce que je vous montre comment on affronte ce type et vous pleurez? Comme ça, je pleure aussi et tout le monde pleure et ça sera super. Alors, on va essayer... Je vais vous montrer comment on affronte... Non, non, ça n'a aucun intérêt. Je vais juste me faire défoncer et ça va pas être drôle. Je peux essayer de l'avoir en mode méchante. Non, en plus il va se régénérer. Non, non, mais je sais comment on peut l'avoir et vous allez avoir un dialogue comme ça. Moi, je pourrais vapoter tranquille. L'émissaire de Vegas se présente à moi avec un équipement pour le combat. Tu ne viens sans doute pas de cette cité de lâches. Ok, d'accord. C'est un petit peu différent en français, en anglais. Donc, alors attends. Il faut que je lui bourre le mot en lui expliquant un truc. C'est quoi déjà? Non, attends. Ah zut, je pensais que t'allais me causer un peu plus longtemps. T'es pas drôle, Lanius, là. Zut. Crotte de flûte, quoi. De nombreuses tombes à l'est contiennent les corps de gens sans aucun pouvoir qui parlaient de la sorte. Et même mieux. Selon la volonté de César, cette porte à l'ouest portera la bannière de la Légion.
La volonté de César sera respectée. Donc César est pas mort dans ce walkthrough apparemment. Je vois que tu te bats par le verbe, comme ceux qui se battent sous la bannière de l'ours. Espérons que ton talent est plus grand, l'arme à la main. Oh, je suis très mauvais, l'arme à la main, justement. Donc, la bataille est décidée, c'est pour ça que je suis là. Donc, tu cherches un arrangement? Les termes d'une reddition? Nos routes qui mènent vers la RNC sont jonchées de cadavres de ceux qui ont tenté de négocier avec nous. Économiste à... Ah, je vous ai tout coupé. Nous prendrons le contrôle du barrage Hoover et avancerons jusqu'à ce que nos armées piétinent le soleil couchant. Le barrage Hoover n'a jamais vu les forces de l'Est. Seulement des légats comme Graham, qui méritaient bien le feu infligé par César. Maintenant je suis là, et je marquerai la route de la Légion vers l'Est avec ton peuple. Tu parles pour ne rien dire. Et l'Est. Je suis l'Est. Et je te le prouverai en ce jour. Alors en fait, voilà. Ce gars-là, je vais juste vous l'expliquer vite fait, mais ouais, il est monstrueux. Mais vraiment, dans mes souvenirs, c'est un griffe mort, voire deux, voire trois griffes morts. Voire un griffe mort femelle reproductrice ou un mâle alpha, comme on dit bêtement, alors que ça veut rien dire. Hein, parce qu'en fait, c'est pas une bonne étude. Mais je crois que j'en ai déjà parlé aussi. Du coup, je vais préférer le dialogue parce que je suis quand même évolué pour ça. Hein, j'ai décidé d'être une truande, une vendeuse, d'être une héritière bretonne d'une famille bien... bien malheureusement connu pour quelque chose de pas bien. Son orientation. Je suis donc à même de faire rentrer n'importe quoi dans la tête de n'importe qui, y compris le légat Lanius, parce que je suis mignonne aussi. Et même s'il le voit pas, parce que j'ai un casque super badass comme le sien. Et ça, son casque, par contre, j'aimerais bien le mettre sur mon bureau. Discours. Vous ne m'écoutez pas. Le point important n'est pas le barrage. La victoire sera rapide. Course. Nous prendrons le barrage, le sécuriserons, puis ferons une route à l'ouest avec les corps des soldats de la RNC. Bien sûr, bien sûr. L'Est tiendra. Une fois qu'il aura traversé le Colorado, rien ne pourra rivaliser avec les vestiges du barrage Hoover. Ce n'est pas la puissance de l'Ouest qui vous ralentira, ce sont ses faiblesses. Votre faiblesse. Inversement. Je cherche à me contrarier en prétendant que la Légion est trop forte pour vous. La prise du barrage de Hoover aura pris des années. L'Ouest grouille de tels obstacles. Ça ne veut pas dire qu'on ne réussira pas. La question, ce n'est pas votre force, mais le temps. Qu'est-ce que c'est long ? L'Est a été une campagne âprement disputée. Aujourd'hui encore, César a utilisé trop de sang de la Légion dont on avait besoin là-bas. Le barrage Hoover n'est qu'un endroit. Il ne sera pas le tombeau de la Légion, ni de façon brutale. Ni par une guerre d'usure, comme c'est beaucoup moins clair en français dans mes souvenirs. En anglais, il me semble que c'est plus clair la conversation. Bon, alors pour ceux que, là, qui auraient suivi, c'est tout simplement. Et moi, il me semble en français que c'est pas clair. Hein. Bon, après, peut-être c'est moi qui pense même plus maintenant dans ma langue natale. Mais l'idée en gros, c'est qu'on essaye de développer. Et c'est dommage que ça soit fait avec ces sangs là qui apparaissent encore une fois. Bref. Que s'ils veulent envahir l'Ouest, ils vont devoir utiliser énormément de ressources. Or, la Légion, ils ont toujours fonctionné en étant un rouleau compresseur. Donc, et de manière un petit peu madoffienne, où là, il y en a un autre là, qui s'est fait pécho à Wall Street, mais c'est toujours le même principe, hein, la finance. C'est qu'en gros, vous alimentez un petit peu l'argent des anciens arrivants avec l'argent des nouveaux arrivants, en fait. C'est une escroquerie, hein. C'est comme le Vegas, hein. C'est comme toutes ces choses, hein, qu'on appelle capitalisme. Et donc, du coup, en fait, le truc, c'est que tant qu'il y a un truc à bouffer, ça passe. C'est cool. Quand il n'y a plus rien à bouffer ou quand il y a trop à maintenir et qu'il n'y a plus rien à bouffer, alors là, c'est mort. Et là, ils n'ont rien, en fait. Quand ils vont prendre Vegas et ses environs, ils vont avoir le barrage, l'énergie, ça, c'est bien, c'est un plus.
mais ils vont avoir tout un tas de territoires à contrôler, dont Vegas, qui a des technologies en plus, etc. Enfin, ça va être plus compliqué que contrôler une bande de tribales dans les plaines du Dakota, ou je sais pas où ils officiaient avant la Légion. Mais donc, en gros, l'idée, c'était de lui dire, mec, si tu t'enfonces ici, tu vas gagner, c'est bien, hein, vous allez gagner, vous allez être puissant, vous allez être content, vous allez faire vos esclaves. Mais après, tu vas avoir des guérillas partout, tout le temps. Et en plus, il y aura la RNC qui sera à vos portes, parce que là, pour le coup, elle est voisine. Et on aurait pu rajouter dans le dialogue, et là, ça aurait été cool d'ailleurs, que bah, maintenant, la RNC, elle vous connaît, et c'est vous qui serez dans sa position de maintenir des grandes frontières contre elle qui sera intégralement concentrée sur l'idée de se venger. Un petit peu comme une certaine Allemagne et une certaine France à une époque. Hein. Et donc, du coup, vous allez prendre cher après derrière, et, ou alors vous allez perdre votre avantage et vous risquez de vous effondrer sur vous-même en grandissant trop vite, en fait. Donc voilà, donc c'était le discours, mais je ne sais pas si on a eu vraiment l'impression, je le répète en français, de voir que c'était ce qui se passait dans le discours, mais bon, bref. Donc, la sagesse est une forme de victoire, les gars. Puisqu'on parle de sagesse, il y a de la sagesse dans tes mots, femme de l'Ouest. Ah, tu me respectes, hein. Sache que je retournerai. Moi et mon vagos. Je n'y resterai pas toujours, et ce jour, j'éprouverai la force de l'ours. Si l'Ouest est un jour peuplé d'individus comme toi, ce combat sera peut-être digne d'intérêt. Ça aurait été tellement vrai si le discours il était plus sympathique. Mais là, c'est tellement facile et ça s'enchaîne tellement. Que là, oui, par contre, mauvais point. Là, on n'est pas dans des points Arcanum, là. Zut, zut de crotte. Alors, si vous pensez que la guerre compte autant, le temps vous ramènera peut-être à la raison. Ah, ça, c'est pas faux. Mon arrivée vous aurait sauvé et libéré. C'est ça que vous ne comprenez pas. Ouais. La guerre vous aurait testé. Elle aurait brisé les faibles, mais elle aurait permis aux puissants comme de s'élever. Comme le marché, c'est la ça? La violence t'a donné cette force. Elle t'a offert l'éveil. Ouais. Je le vois sur ton visage, où je vois les traces de deux balles. Ouais. Quel dommage que Vulpes ne soit pas ici pour entendre tes mots. J'ai l'impression que tu te révélerais plus capable que lui. Jusqu'à ce que nos armées se rencontrent à nouveau au courrier... Je t'attendrai sur le champ de bataille. Ouais, casse-toi, je suis tellement forte. Regarde-moi, fais-moi le malin, regarde-moi comment j'ai la classe. Ça se voit quand même que je suis sûr de moi, là. Je suis au top de ma forme. Heureusement que je ne l'ai pas affronté, parce que je vous assure, les griffes morts à côté, rien. Ce type, je pense qu'il peut massacrer des griffes morts. Tout seul. Genre, on l'aurait envoyé là-bas, il aurait griffes morts, tous morts. Voilà. Donc, griffes morts au carré, ça serait devenu. Et ça, je préfère vous dire que je ne veux pas être là pour voir ça. Hein. Parce que moi, j'ai vu des choses. Hein. J'ai vu la télé, hein. Par exemple, j'ai vu une émission à la télé il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Ça s'appelait BFM. Bon, alors, CNews aussi. Hein. Bon. Ah, peut-être que j'aurais pas dû prononcer des choses aussi dégueulasses aussi rapidement. Peut-être que l'univers n'aime pas. Bonsoir la RNC. Alors c'est la RNC qui veut se la jouer à l'américaine. On fait péter, on rentre. Crucifié. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu quelqu'un faire aussi bien que vous aujourd'hui. Vraiment très longtemps. Vraiment très longtemps. Hurlement de ces légionnaires fuyant vers l'est. On aurait dit un cœur céleste. À ce propos, ce son et lumière au fort, c'était le doigt de Dieu que vous aviez invoqué? Incroyable, vraiment incroyable. Alors ça, normalement, si c'est un truc qui dit si t'as utilisé l'arme. Mais je l'ai pas utilisé. Ouais, ça, la phrase du truc de ce doigt de Dieu là, ça, c'est si on a utilisé la centrale Poséidon comme une arme, je crois. Et je crois pas que je l'ai fait. Donc tu dis un peu n'importe quoi, de général Lee Oliver. Hein, t'es un petit peu bourré, hein, t'es un peu pété, hein, ça se voit à tes yeux là. Complètement pété là, Oliver. N'y pensez pas trop, général. Je voulais vous balancer, mes amis. En fait, je suis pas responsable. Mes alliés m'ont aidé. Je suis à présent du côté du bien. Eh bien, ces garçons sont avec vous. Bonjour, boy. Oh, je crois que vous allez avoir certains problèmes. Ce n'est pas un secret que vous... vous pourriez leur demander de baisser leurs armes.
Je fouillais dans la poche pour vous donner un cigare. Alors, ça fait du bien. Ça fait du bien. Je vais écouter ce que Marcus avait dit. Et ce que j'ai dit, enfin, ce que j'aurais aimé dire à notre ami Lanus, ça, c'est pas bon parce qu'ils vont vouloir. Ils vont être vénères après. Ils vont se forger une identité autour de l'idée de nous défoncer la gueule. Mauvais délire, ça. Mauvais délire, ça. Ça, c'est genre la France quand elle va dans le Palatinat à l'époque de Louis XIV. Donc, c'est en Allemagne, le Palatinat. C'est juste derrière Strasbourg, tout ça. C'était la région un petit peu pas très loin de chez nous, quoi. Et après, les gens, ils font « Ah, mais les Français, ils font peur. Allions-nous tous contre ces gens. » Et après, 1870. Et après, 14-18. Et après, 39-45. Et après, Merkel, l'euro, tout ça. Donc, non, on va dire. Hein. Donc, ne provoquez pas de haine inconsidérée chez vos ennemis. Hein. C'est pas bien. Il faut savoir porter la patte. Bon, alors il faut éliminer les ennemis les plus dangereux, hein, les neutraliser, mais il faut pas non plus faire le chocho. Là, est-ce que je peux pas par hasard trouver un moyen de faire comprendre à Général Lee Oliver que contrairement au Oliver qui est très très bien, le show, lui il est pas très très bien, donc il va rentrer chez lui, hein, d'accord ? La bataille du barrage est gagnée par moi, la Légion, et vous avez perdu. Ah, mais ça c'est con. Je vous suggère de partir avant que mes boys nous le fassent aux hommes. Ouais, voilà. Partez, mais on va faire court, hein, Oliver. Et le barrage est à nous. Partez immédiatement. Plutôt cracher sur la tombe de ma mère que laisser une ordure de courrier des terres dévastées me parler comme ça. Forcément. Vous prenez pour qui ? Vous voulez changer vos jetons au bruit des balles de la RNC ? Je peux arranger ça. Bon, tu fais le show. Tu les as vus, là, les mecs, derrière? Enfin, les trucs, les Robocop derrière. Tu les as vus, les missiles qu'ils ont sur les épaules, là, les épaulettes des chevaliers du Zodiac? Êtes-vous certain que c'est bien sage, hein? J'aimerais que la violence cesse. Il en a déjà assez aujourd'hui, hein? Rappelez-vous, nous balayons l'air. Ça, c'est pas mal. Partez sur vos pieds ou enveloppez dans un drapeau, ça va vous devoir. Ça, c'est pas très diplomatique. Mais bon, ça peut avoir son effet et ça ne s'appelle. Et on tire toujours pas. Alors que là, bon. J'aimerais que les volions. Je veux que tout le monde puisse entendre dans ces petits bonhommes-là, comme ça, quand il y aura un rapport, ça apparaîtra peut-être sur un paplard ou dans un disque dur, dans un holodisque. J'aimerais que les violences cessent. Il y en a déjà eu assez aujourd'hui. Et c'est vrai. Écoutez, je sais que vous êtes sur le haut de la vague, mais sachez une chose, c'est pas moi que vous insultez, c'est l'ours. Vous avez suffisamment voyagé à l'ouest pour savoir jusqu'où s'étendent ses griffes, je pense. L'ours n'a pas l'habitude de plaisanter. Et si je demandais à ces robots d'exposer ma main, général, la République n'est plus la bienvenue ici. J'ai envie de traiter cette affaire de manière agréable. C'est chaud. Pourquoi t'insistes ? Ouais, bah allez, ça sera la dernière, hein, parce que tu m'énerves un petit peu. Vous voulez que je reparte à l'ouest, la queue entre les jambes ? Ouais, c'est ça. Non, je suis venu pour me battre. Et si vous voulez me déloger, j'espère que vous avez un bon crochet du gauche. C'est pas mal. Allez, on va faire le discours. Ouais, mais je m'attendais pas à devoir me battre. Et la tournure de notre discussion ne me plaît pas beaucoup. Vous savez au moins ce que vous faites. Bâtir une nation. C'est autre chose qu'empiler des tas de jetons de poker. Vous croyez avoir les tripes de vous tailler une frontière, de construire des villes, de protéger les routes, d'assurer la logistique? Pas mal, ça là aussi. Et c'est clair.
Parce que c'est chez moi, bordel, et en plus j'ai foutu la merde au début. Donc j'ai beaucoup de choses à me faire pardonner, général Lee Oliver. Je paierai, moi aussi. Comme toute personne qui a fauté dans l'histoire, je paierai, ma date. Mais en attendant, général Lee, j'ai un travail à faire de reconstruction avec les disciples de l'Apocalypse, la confrérie de l'acier, les Marseillais, les Montpelliérains, les Stéphanois, les gens de Lille, les Lillois. On a un travail à faire vis-à-vis d'une certaine civilisation. Je vous garantis que je peux vous plaire. Bon sang. Dire qu'on s'est fait avoir par un messager. Eh ben ouais. J'aurais dû surveiller une messagère. Attention. Respecte mon vagos. Je sais de quoi vos robots sont capables. Et je ne vais pas sacrifier des vies par pur orgueil. Très très bien ça. Mais si vous prenez cet endroit, tâchez de le tenir. Nos problèmes. Je transmette mon avis à mes supérieurs, mais je doute qu'ils m'écoutent. Alors si la RNC revient, et elle le fera, tâchez d'être prêt. Si nous nous retrouvons un jour, je vous ferai pendre. Pourquoi tu fais le show, Sansa? Pourquoi tu fais le show? Là, franchement, c'est peut-être la phrase de trop, mec. La fête de trop. Je te rappelle quand même que je viens d'une longue lignée d'enfoirés. Hein. Ça, c'est le genre de truc, là, la menace personnelle à la fin. Too much, mec. Too much. Et je vous ferai pendre. Tu me ferais pendre. C'est vrai que ça, c'est pas faux aussi. Est-ce que je... Allez, je vais la jouer à la Marcus. J'ai déjà joué à la Marcus pour une religion... Pour une raison très simple, mon cher général Oliver. C'est qu'après la déculottée que tu viens de te prendre, quand tu vas rentrer la gueule enfarinée devant tes supérieurs, tu vas leur faire un rapport, mais tous les gens autour, ils vont dire « Bon, ce gars-là, c'est un incapable, il a perdu le président, et en plus, il a reculé au Overdam sans même qu'il y ait eu un combat, parce que c'est pas lui qui l'a défendu de la Légion, c'est la personne... Enfin, les personnes qui gèrent actuellement New Vegas. Donc, avec un peu de chance, ils vont nous contacter en mode « Vous voulez faire un partenariat particulier avec nous ?» S'ils sont intelligents et s'ils sont pas intelligents, ben, on leur mettra une race comme à la Légion. Donc, je vais dire ce que ça... C'est tout, parce que j'ai du travail et les paroles de la RNC ne valent pas grand-chose par ici. Très bien. Venez, messieurs. Allez, hop. Dégagez, là. HEC, là, Polytechnique, l'ENA, là, dégagez. Vous avez fait du bon boulot. On a du boulot, là, l'université française arrive. Je ne dis pas ça parce que je suis obligé, hein. Je ne voulais pas insister tant que nous n'avions pas gagné, mais... Bon, j'ai trouvé des fragments de données dans une des banques de Monsieur House me permettant de... me reprogrammer. Pour prendre de la science, en fait. Alors, c'est ce que je vais faire. Mais ça va me prendre un bon moment. J'aime bien comme le mec là, il a compris service. Que c'était la merde bientôt. Mais tout va bien se passer. J'ai mis à jour les paramètres de ciblage des Securitrons pour qu'ils sachent quoi faire. Vegas sera bien protégé. Alors je serai là-bas. J'effectuerai quelques changements et je... Vous retrouverez vite. Nous en avons fait des choses ensemble. C'était sympa. Tu vas devenir une super IA, super balèze. Et le courrier qui avait échappé à la mort à Good Springs en réchappa encore. Et les terres dévastées de Morave en furent transformées à jamais. Le courrier, avec l'aide de Benny Wiwi, chassa la Légion et la RNC du barrage Hoover, assurant ainsi l'indépendance de New Vegas. Monsieur House écarté, une partie des Securitrons fut dépêchée sur le Strip pour y maintenir l'ordre. Le chaos qui s'était installé fut promptement jugulé. Il se transforma en incertitude, puis en résignation. On déplora peu de victimes. New Vegas s'imposa comme une puissance indépendante dans le Morave. Chantre des idéaux indépendantistes, le courrier fut célébré comme la libératrice de New Vegas. Yeah. Elle mit un terme à la tyrannie de Monsieur House et s'assura que New Vegas ne tomberait jamais aux mains de la Légion de César ou de la RNC. Certains supermutants et nocturnes continuèrent leur voyage vers le royaume légendaire du Tobita, mais ne trouvèrent aucune trace de son existence. D'autres ont trouvé le chemin de Jacobstown, mais nombreux furent ceux qui continuèrent à errer désespérément dans les terres dévastées. Se demandant toujours s'il était encore utile à son âge, Raoul ne trouva jamais la sérénité. Il finit par quitter le Mojave et par adopter un nouveau nom,
comme il l'avait fait tant de fois. Ah, c'est mon seul collègue qui a survécu. Existant dans les terres dévastées, les boomers continuèrent à défendre leurs terres contre prospecteurs et autres récupérateurs. Ok, opposé, ils ont survécu les boomers. Opposé à propos de l'avenir de la confrérie, Veronica chercha dans le Morave une réponse qui lui et leur conviendrait. Mais elle ne la trouva jamais, et les dangers du monde qui avaient laissé la confrérie de l'acier en arrière eurent raison d'elle. Bah oui, parce après l'élimination de leur chef par le courrier, les Docks s'éparpillèrent dans les terres dévastées. Bonne nouvelle. Sans le semblant d'organisation mis en place par Motor Runner, Cook, Violette et Driver Nephi, ils tombèrent comme des mouches. Très bien. New Vegas, devenu indépendant grâce au courrier, devint également plus instable et plus violent. Crotte. Le vieux Fort Mormon, débordé par l'afflux de patients, eut de plus en plus de mal à offrir les services les plus élémentaires. Bien que les intentions d'Arcade fussent pures et ses objectifs nobles, il finit par succomber à la brutalité du Morave, comme beaucoup avant lui. Bah oui, j'étais là. Les voyageurs parcourant la route 15 continuèrent de s'approvisionner en eau à la source de Good Springs, mais bien peu en visitèrent les ruines. Mais non, il s'est rien passé. Seuls les touristes le firent, essentiellement pour visiter le cimetière où le courrier avait vaincu la mort. Le massacre des Van Graaff et de la Crimson Caravan causa une cascade de problèmes à la RNC, à l'ouest. Les deux caravanes privèrent la RNC de leur soutien, tant que la boucherie de l'Est n'aurait pas été résolue. La logistique en souffrit. Rose of Sharon Cassidy connut la même fin que sa caravane. Une tombe sans nom, comme tant de victimes du Morave. Ah, j'étais pas fait de... Il fallut plus de temps que prévu pour trouver un remède à la schizophrénie des nocturnes. Mais la découverte bénéficia à Jacobson. Ah, il l'a trouvé quand même, Henri. La présence de Keane, le chef des nocturnes, persuada ses congénères de rejoindre la ville. Bah, c'est bien. Jacobstown prospéra pour devenir une importante ville marchande, bien qu'un peu intimidante. Ah bah, on n'aura pas tout foiré. Lily vit dans les terres dévastées de Morave. C'est vrai que t'avais bien vécu. En poussant son dernier râle, ses dernières pensées furent pour ses petits-enfants. Pauvre Lily. Les Kings gardent le contrôle de la zone, et même s'ils ne cachent pas leur préférence pour les gens du coin, ils tolèrent les citoyens de la RNC. Le King était cool. Novak n'était pas une cible prioritaire de la Légion, mais nombre de ses habitants périrent en tentant de défendre la ville. Ah ouais. Au cours des semaines qui suivirent, des acolytes de Bright vinrent en renforcer les défenses, ce qui lui permit de demeurer indépendant de la RNC. Je les ai pas envoyés dans l'espace. Abattue par la perte du barrage, la RNC fut incapable d'affecter des troupes à la reprise de la prison. Les caravanes traversant le Morave eurent à souffrir pendant de nombreuses années. Ah, j'ai pas tué les poudriers. Quelle erreur. Armés d'explosifs de fortune et d'armes volées, les poudriers de l'abri 19 mirent à feu et à sang les terres dévastées pendant des années. C'est pour ça que c'était le caca. Leur cible favorite était les ressortissants de la RNC, auxquels ils réservaient la fin la plus atroce possible. Ceci dit, me défend de la RNC. Malgré les promesses de la RNC de soutenir Prime, elle abandonna la ville après sa défaite contre le courrier. Forte de son indépendance retrouvée, Prime a retrouvé son activité d'avant l'arrivée des poudriers. Une activité avec des hauts et des bas. Ah, et ainsi pris, s'acheva le voyage du courrier. La courrière, eux. Dans le nouveau monde des terres dévastées, la lutte continua. Le sang coula. Les générations se succédèrent, comme dans l'ancien monde. Putain, j'ai pris une gorgée de la guerre. La guerre a toujours le même visage. Ah, c'est quand même vieux en anglais. War. War never changes. Bah voilà! On l'a fini, t'as vu? Vous avez vu? C'est fini. Bon bah c'est fini, New Vegas, voilà, c'est un jeu fini. Fini il y a quelques années quand même. Mais voilà, bah c'est très bien, on a fini notre premier jeu sur Twitch et on va le mettre sur YouTube plus tard, hein, comme le reste de la série. D'ailleurs, faut que je regarde les dernières vidéos. Et voilà, et puis on va continuer nos petits week-ends débat Divinity. Débat entre les divins, c'est un peu les week-ends Mont Olympe, on va les appeler comme ça, en toute simplicité, en toute modestie. Les week-ends Mont Olympe, hein, d'accord, hein, c'est bon. Donc oui, on va faire continuer les Divinity en parallèle, discuter. Et puis je vais attaquer un autre jeu, du coup, un autre jeu de rôle. J'en ai plusieurs en tête hein, que je peux faire. On peut trouver. Je peux aussi faire du Divinity en solo. Avec une espèce de build que je te raconte pas, un truc bien mitonné aux petits oignons, très optimisé, très calibré, peut-être même silencieux pour pas entendre ma sale gueule expliquer que tout va bien sur Terre. Donc il y a toujours cette possibilité aussi que je passe des gameplays silencieux.
Mais je vais continuer à ouvrir ma sale gueule et à faire ouvrir la sale gueule de 2-3 intervenants. Parce que c'est bien aussi de s'exprimer. Hein? Surtout quand on dit des choses un petit peu différentes et un petit peu argumentées. Parce que si c'est pour s'exprimer, pour dire la même chose que partout. Là, par contre, oui, fermez vos gueules. Hein, on est d'accord. Hein. Ce qui ferait fermer sa gueule à pas mal de monde. Ce qui serait quelque chose de quand même très intéressant. Voilà. Donc, je vais vous souhaiter bonne soirée dans cette musique extrêmement enthousiasmante. je crois qu'on ne l'a pas vu. Mais le nom de la mission aussi, c'était la dernière que j'ai faite. Là, et la fin que j'ai choisie, c'est Ni Dieu ni Maître. Hein, j'en profite parce que on fête un petit peu la semaine sanglante, on fête tout un courant de la pensée du coup politique et sociale et historique de la France. Et Ni Dieu ni Maître, c'est une formulation intéressante relative à tout ça. Ah, là je vois Otter, Chris Savlon, qu'on n'est pas prêt de revoir, hein, parce que le monsieur a merdé apparemment. Il a bien merdé, hein. Il a même peut-être même fait quelque chose d'illégal, donc ça s'appelle plus que de merder. Mais c'est dommage, c'était un grand auteur de jeux vidéo. C'était un des... Mais voilà, ça, il n'y a pas de question. Il y a plein de gens qui peuvent écrire des très bonnes histoires sans faire ce type d'erreur. Donc voilà, au revoir Avlon. Et bonjour les autres hommes et femmes qui voudraient écrire des pures histoires. Car écrire l'histoire, s'exprimer, c'est bien. C'est bien d'écrire l'histoire, écrire les histoires. My only fan, the end, on me dit, Anaxou me dit dans le chat, et c'est ça, hein, c'est la the end. Mais c'est pas the end totalement, hein, parce que comme j'ai dit, on revient tous les samedis pour à discutailler, et autrement, je vais faire d'autres jeux en silence ou en parlant, en faisant des personnages ou pas, mais il y aura toujours des personnages puisque ça sera majoritairement des jeux de rôle, peut-être quelques jeux de gestion, de stratégie, et puis on va voir. Mais c'est vrai que dans les très très bons jeux avec une ambiance, avec un scénar, ça peut être bien aussi d'être silencieux et de laisser les personnages parler. Donc on va peut-être faire ça sur des très très bons jeux, doublés, etc. On va voir. On va voir. Tout est open source. Voilà, voilà. Donc je vais vous souhaiter bonne soirée. Et vive la vie, vive Parker, vive Aladdin, Ali Dean d'ailleurs. Et je suis pas allé récupérer toutes ces capsules aussi. Enfin, vous avez, il y a plein de trucs que je vous ai pas montré, que j'ai pas fait. Il y a déjà toutes ces quêtes secondaires qu'il faut que je fasse quand je fais un perso optimisé. Et ouais, voilà. Donc, on va revoir Fallout New Vegas. On va voir plein d'autres jeux de rôle qui sont bien. Et on verra peut-être aussi 2-3 vieux jeux sur émulateur que j'ai acheté à une époque. Donc, j'ai leur droit d'utilisation. C'est juste que maintenant, il faudrait les retrouver ou faire tourner le CD. Et ça, c'est moins probable. Voilà, est-ce que c'était intéressant comme anecdote? Non, donc je vais vous laisser là-dessus. Et salam alaikum, salamèche, salami, et bonne soirée aussi.